Bien, je pense que l'on peut commencer. Donc voilà, au nom de la ville de Bruxelles, je souhaite remercier celles et ceux qui nous ont rejoints pour cette séance extrêmement importante et qui est au cœur de l'actualité. Und dus hartelijk welkom aan iedereen om praktische redenen zal onze zitting van vandaag in het Frans verlopen, maar natuurlijk iedereen is vrij in zijn eigen taal te spreken gedurende het debat. Alors, pour ne pas faire patienter inutilement tous ceux qui sont à l'heure, je vais quand même rapidement vous énoncer l'ordre du jour d'aujourd'hui. Et donc, on va passer dans un instant la parole à notre bourgmestre Philippe Claus. Puis nous aurons l'occasion d'entendre le professeur Klumek, également Monsieur Cloquet, je les présenterai au moment utile. Et puis nous aurons dans notre panel, nous avons invité Monsieur Caillou et Monsieur Alessandro Parente qui auront l'occasion également de nous éclairer sur leur expérience en la matière. Et tout ceci sera suivi d'un question time qui sera clôturé par le professeur Klumek qui en tirera les meilleures conclusions. Alors, vous savez bien sûr que cette initiative est due à notre bourgmestre Philippe Claus, et je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler que dans la multiplicité des débats qui ont entouré cette problématique extrêmement aiguë et difficile, il est resté d'un tempérament, avec, comme il le dit lui-même, avec sang-froid et méthode, c'est un peu son leitmotiv, et qu'il a réussi à faire entendre un son et une parole différentes dans les médias, à savoir de ne plus accepter que l'on puisse confiner, déconfiner, avoir des stop and go, mais au contraire travailler selon une expertise scientifique. Et là, on doit beaucoup à notre collègue Nathan Klumek, qui l'a accompagné depuis le début dans ce chemin où il était un peu isolé, mais aujourd'hui, je pense pouvoir dire qu'il y a une majorité croissante d'acteurs qui se rallient à cette position. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'entendre notre bourgmestre Philippe Claus. Bonjour, bienvenue à cette séance un peu particulière. Tout le monde commence à avoir l'habitude des vidéos. C'est évidemment très prochainement que j'espère qu'on pourra se voir physiquement pour pouvoir échanger. L'idée est vraiment dans ce séminaire d'échanger avec les secteurs sur l'expérience que nous menons maintenant depuis plusieurs mois avec l'hôpital Saint-Pierre à travers Nathan Klumek et la ville de Bruxelles sur l'ensemble de son territoire. L'idée est d'arrêter de travailler dans les différentes pandémies avec cette logique du on-off. On ouvre des secteurs, on les referme. L'idée est aussi d'arrêter de parler de secteurs, mais de parler plutôt de lieux. C'est clair qu'il n'y a pas de grande similitude entre une salle de sport de fitness et le stade Roi-Baudouin. Pourtant, on parle de sport en général. Et donc, on veut absolument changer cela. Alors, vous allez me dire, pourquoi le faire maintenant, alors qu'on est en train de sortir de la pandémie? Ben, ça, Nathan Klumek va vous l'expliquer, parce qu'on pense que les maladies infectieuses, les pandémies, ben, risquent encore de se répandre. On est dans un monde qui, évidemment, a de plus en plus d'échanges et c'est une bonne chose. Et donc, il faut pouvoir se préparer aussi et apprendre de ces crises. Un des bons exemples que Nathan donne souvent et que je reprends ici, c'est ce qui a pu se faire en termes d'incendie. Ben, on a eu des grands incendies dans les villes, vous le savez. Eh bien, ça nous a permis d'évaluer les différentes méthodes qui permettaient de protéger les bâtiments, de protéger du feu, de laisser des périodes strictes et de travailler lieu par lieu avec des permis spécifiques. On a les mêmes règles, les fameuses portes coupe-feu, les sorties de secours, les extincteurs, mais elles ne sont pas disposées de la même façon pour tous les lieux. Et donc, l'expérience qu'on va essayer de développer ici à la ville est une expérience moyen terme. On n'est pas pour le déconfinement de demain. Toutes les mesures que vous entendez du gouvernement fédéral et des différents comités de concertation sont évidemment un premier train de mesure. Ce que nous voulons réfléchir, c'est sur le moyen terme. Alors, il y a un coût, évidemment, à cela. Et ce coût doit aussi être en débat. Il faut que ce soit payable, évidemment, par les gens. Mais je le rappelle, et Nathan le dira sûrement aussi, c'est bien plus payable, que ce soit pour les gouvernements ou les entreprises, que de devoir fermer et ouvrir en permanence. Een nieuwe ervaring voor vele maatschappijen en vele sectoren. We willen denken over nu de plaatsen, niet over de sector, maar over een vergunning voor verschillende plaatsen. De nieuwe maatregelen is voor ons echt nuttig. Het is ook een visie voor de stad, een visie over de toekomst. Welke nieuwe besmettingen zullen misschien komen in onze stad en welke maatregelen kunnen we appliceren? Het is voor mij echt belangrijk om een perspectief te geven aan de bevolking en aan de maatschappij. Met wetenschappers, zoals Nathan Klumek,
maar ook met de professionelen van de sector. We moeten nadenken over nieuwe maatregelen, een nieuw project voor de gezondheid van onze bevolking, maar ook voor de economische aanbod van onze stad en ons land. Voilà un peu l'objectif de cette réunion, échanger, aussi admettre qu'on ne sait pas tout. C'est extrêmement important. On est un peu dans une société où il faudrait pouvoir tout connaître tout de suite. Et ça, beaucoup de médecins me le disent, ben c'est le principe de la médecine, c'est qu'on a encore beaucoup de questions, il y a encore beaucoup de choses que l'on se demande. Et donc, toutes ces expériences, tous ces échanges que nous avons entre nous sont fondamentales pour pouvoir continuer à avancer et construire le monde de demain et ne plus jamais revivre ce que nous avons vécu maintenant depuis 18 mois. Bon séminaire à vous et à très bientôt. Voilà, merci Monsieur le Bourgmestre pour ces paroles encourageantes et pleines d'espoir. Et donc, je vous propose de poursuivre selon l'ordre du jour que nous avons établi et donc de passer la parole au professeur Nathan Klumek, que je vais quand même présenter, même si son visage et sa voix sont déjà bien connus aujourd'hui parmi les médias. Je voudrais quand même rappeler qu'il est évidemment aussi professeur émérite de médecine et des maladies infectieuses à l'Université de Bruxelles. Il est également le chef honoraire du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Pierre et président du centre de recherche au sujet du sida. Vous savez aussi que l'hôpital Saint-Pierre est vraiment un des pôles essentiels de la lutte contre la maladie infectieuse et notamment du Covid. Et donc, il a été et il est toujours, le professeur Klumek, un des animateurs principaux de cet hôpital. Il a occupé différentes autres fonctions comme directeur général médical à Saint-Pierre également, directeur général médical dans le réseau IRIS, j'en passe et des meilleurs. Je ne vais pas énoncer toutes ces publications non plus parce que le temps du séminaire serait écoulé. Et donc, sans plus attendre, je passe la parole bien volontiers à Nathan Klumek. Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Le hasard de l'agenda, et c'est quand même assez extraordinaire, c'est que le hasard de l'agenda, c'est que notre webinaire coïncide avec la publication d'un arrêté royal sur la ventilation. Et il a fallu un long chemin pour arriver jusque-là. Mais ça y est, on y est, et je pense que c'est un bon départ. Donc en fait, depuis le début des épidémie, on s'est focusé, on s'est centré sur la transmission par des gouttelettes respiratoires qui se déplacent à 1 à 2 mètres et se déposent sur les surfaces qui peuvent contaminer les mains, et des mains, on peut se contaminer à travers la bouche et les yeux. Et c'est de là que viennent les mesures et les recommandations de distanciation physique, parce qu'on estime que ces gouttelettes peuvent aller jusqu'à 1 à 2 mètres. Pourquoi 1 à 2 mètres? Parce qu'elles ont un certain poids, et avec le poids, elles subissent la loi de la gravitation et elles tombent. Donc, une distanciation physique et une désinfection des surfaces et des mains. Et je vous rappelle qu'au début, il n'y avait pas de recommandation pour mettre des masques. Il y avait encore des gens qui disaient que le masque n'est pas nécessaire. Et en fait, le postulat était une personne en infecte 2 ou 3. C'est le fameux R. Et ce R, donc, il doit être inférieur à 1. Quand le R est inférieur à 1, ça veut dire qu'une personne infecte moins qu'une. Aujourd'hui, le R, heureusement, est à 0,85. Ça veut dire qu'on est en train de contrôler globalement la transmission de ce virus, même s'il y a tous les jours des nouveaux cas. Donc, dans les mois qui ont suivi, en février-mars, il y a eu des publications qui ont été très, très importantes et très intéressantes et qui, malheureusement, n'ont pas eu le retentissement qu'elles auraient dû avoir. Une de ces publications concernait un restaurant en Chine où on avait noté l'infection de plusieurs personnes qui se trouvaient à une distance de 4, 5 et 6 mètres du contaminateur. Et en fait, ces personnes se trouvaient dans un flux d'air conditionné. Et donc, on pouvait imaginer que le virus avait voyagé avec l'air. Une autre publication concernait deux autobus. Un autobus, il n'y avait pas de patients COVID, et dans l'autre, il y en avait un qui était assis à l'entrée de l'autobus.
Et on a constaté qu'une dizaine de personnes qui se trouvaient dans des places arrière et au fond de l'autobus avaient été infectées, encore une fois, suggérant que le virus pouvait se déplacer dans l'air. Et puis, il y a une publication très importante, une chorale qui comprenait, je crois, environ 80 personnes, dont plus de 60 ont été infectées. Elles étaient tous dans une même pièce où il n'y avait pas de ventilation et tout le monde chantait fort les uns à côté des autres, mais certains étaient plus loin que le contaminateur qui se trouvait au centre. Enfin, un professeur de fitness qui donnait son cours et qui était à 3 mètres de ses élèves a contaminé dans une salle de fitness, encore une fois sans aération, il a contaminé 3 à 4 personnes. Et puis une publication aux États-Unis, un congrès où plusieurs centaines de personnes se sont réunies dans un hall et on a constaté quelques jours après plusieurs centaines également de contaminations. Donc, dès mars, je dis bien mars, c'est plus qu'un an, dès mars 2020, une trentaine de scientifiques ont fait une publication disant « Attention, attention, on parle de la transmission par gouttelette, mais il y a très probablement une transmission aérogène et il faut absolument ventiler. » En plus, le concept de haut contaminateur est apparu. Qu'est-ce que c'est qu'un haut contaminateur? Ben, c'est une personne qui est porteuse de beaucoup de virus dans sa gorge, dans son nez, dans ses sécrétions bronchiques et qui émet des micro-gouttelettes qui vont être en suspension dans l'air et qui vont infecter des personnes qui se trouvent à distance. Ces micro-gouttelettes sont des gouttelettes qui ont un diamètre entre 5 microns et 100 microns. Pourquoi je cite ces 5 et 100 microns? Parce que très rapidement, suite à cette publication, l'OMS a fait une mise au point où aujourd'hui, ça apparaît tout à fait curieux. Elle a qualifié de fake news, je dis bien fake news, cette affirmation qu'il y avait une transmission par gouttelette. Et l'OMS se basait sur le dogme que tout ce qui était supérieur à 5 microns, eh bien, était des grosses gouttelettes qui allaient s'écraser au sol et que donc il n'y avait pas de transmission aérogène. Alors que nous savons aujourd'hui que des gouttelettes jusqu'à 100 microns, peuvent aller jusqu'à plusieurs mètres. Et donc, l'OMS a dit non, il ne faut pas isoler, on n'a pas de preuve qu'il y a du virus dans l'air, et donc la transmission aérogène n'est pas vraie. Plusieurs mois sont passés, et pour la première fois en octobre 2020, le CDC, qui est l'organe de contrôle des maladies infectieuses aux États-Unis, a reconnu qu'il y avait une possibilité de transmission aérogène, mais que ce n'était pas un mode majeur de transmission. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur tous les errements et les tergiversations sur ce concept de transmission aérogène, mais il a une importance quand même très grande, puisque à la veille de la deuxième vague, en octobre de l'année passée, on soulignait déjà l'importance de la transmission aérogène. Rien n'a été fait et nous avons vu l'extraordinaire explosion de cette deuxième vague dont le pic était supérieur à la première et qui a coïncidé avec l'apparition du temps froid, c'est-à-dire que les gens ne sont plus à l'extérieur, ils rentrent à la maison. À la maison, il y a du chauffage, l'air est froid et sec, et un air froid et sec, eh bien, c'est le mode idéal de transmission par voie aérogène, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les maisons, dans les restaurants, peu importe. Donc aujourd'hui, plus d'un an après, on a cet arrêté royal. Et nous pouvons, comme l'a souligné le bourgmestre, parler d'un risque relatif. Et le risque relatif, toutes les circonstances ne sont pas au même rythme. En fonction qu'on porte un masque ou pas, en fonction de l'action que nous faisons, et le risque relatif est d'autant plus grand si de respirer, on parle fort, si on chante, si on tousse, si on éternue, eh bien, toutes ces manœuvres vont émettre plus ou moins des virus. Ajoutons à ce risque relatif l'humidité qui doit être supérieure à 50% pour que le virus soit quelque part alourdi et amené au sol, et la chaleur. Donc, aujourd'hui, on peut définir un risque relatif en fonction du fait qu'on est à l'intérieur ou à l'extérieur, qu'on porte un masque ou pas de masque, et le nombre de personnes dans l'espace. Différence entre une chambre, une salle de sport, un stade, et tout ça va être évoqué avec les intervenants qui viennent. Et c'est là qu'intervient l'importance de la ventilation
et de la purification. Ventilation pour diluer le virus, purification dans les cas où la ventilation n'est pas optimale pour le neutraliser. Ça explique aussi que les premières mesures que le gouvernement a faites, c'est de dire ben, sortez à l'extérieur, alors que l'année passée, je vous rappelle qu'on fermait les plages, on fermait les parcs, on interdisait aux gens de s'arrêter dans les parcs, ce qui était évidemment une absurdité. Pour terminer, je voudrais dire que en fait, cette épidémie nous montre que nous vivons un nouveau paradigme. On a appris et on a mis en place pour nous protéger des maladies infectieuses liées à l'eau. Je vous rappelle qu'au XIXe siècle, la ville de Bruxelles subissait des épidémies terribles de choléra, de fièvre typhoïde. On a appris à se protéger des maladies infectieuses transmises par la nourriture. Et tout le monde a entendu des épidémies de Escherichia coli, de Salmonella, de fièvre typhoïde encore ici. Et suite à ces modes de transmission qui étaient connus, on a mis en place des mesures, des normes, des contrôles. Donc, on contrôle l'air, et on contrôle l'eau, on contrôle la nourriture. Maintenant, nous devons contrôler l'air. Et c'est ça l'idée, c'est qu'on va dans une phase d'investissement, d'organisation, pour que l'air soit, on soit en sécurité quand on est en contact avec de l'air, même s'il y a un risque d'avoir des microbes. Et en faisant ça, on va se protéger d'autres maladies infectieuses. Sans parler d'une prochaine pandémie, on va se protéger des virus qui se transmettent par l'air. Le virus de la grippe, l'influenza, le RSV, les rhinovirus, sans parler de la tuberculose. Donc voilà, grâce à cette épidémie, nous avons fait un bond en avant dans nos connaissances et dans nos moyens de nous protéger. Donc ça, c'est le côté positif de cette pandémie et qui va maintenant, j'espère être contrôlée en plus avec la vaccination. Voilà, je vous laisse ici avec les autres orateurs qui, eux, vont vraiment aller dans le détail de tout ce qu'il faut faire en termes de ventilation. Merci beaucoup. Voilà, merci professeur Klumek, merci mon cher Nathan. Et donc, on va effectivement embrayer sur la suite de l'ordre du jour, mais je pense qu'il est important aussi de retenir déjà présent qu'on est dans un processus de learning curve où il y a de l'apprentissage collectif et les vérités d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui et c'est très très bien comme ça. Et donc cela signifie qu'il est essentiel donc de persister quand on a une bonne vision, une bonne idée et de bonnes analyses. Alors à propos de bonnes analyses, la ville de Bruxelles a pris l'initiative d'auditer plusieurs typologies de lieux, salles de spectacle, restaurants, salles de gym, écoles, etc., dans l'idée d'avoir quand même une idée de ce qui peut se passer en termes de ventilation existante et où à améliorer ou à performer avec d'autres dispositifs. Et pour ce faire, on bénéficie des services de Christophe Cloquet. Et Christophe Cloquet est la personne que la ville a recrutée pour faire ses audits. Et donc Christophe, il est physicien. Il est docteur en sciences appliquées de l'ULB. Puis, comme il dit parfois, il est resté trop longtemps à l'UNIF, donc il a décidé de passer à l'opérationnel. Et donc, il a créé sa société de consultance, qui s'appelle la société Poppy, avec pour objectif d'améliorer la gestion des événements, la gestion de crise au moyen d'outils technologiques. Donc, on est vraiment dans le cœur du sujet. Il fournit des conseils et des solutions techniques à des autorités administratives en Belgique, notamment la ville de Bruxelles, à des hôpitaux, aux services incendie, au secteur événementiel qui a particulièrement souffert de cette crise, etc. Et donc, depuis le début de la crise, Christophe a conseillé différentes autorités, tant au niveau communal que provincial. Et fin de l'année dernière, suite à une discussion avec une société événementielle, Wabu Production, il s'est intéressé au risque de contamination par aérosol qui peut se modéliser au moyen de principes physiques qu'il va nous expliquer quand l'avion sera passé, voilà, qu'il va nous expliquer maintenant avec beaucoup de pertinence et toujours avec un langage très simple, ce dont je le remercie par avance. Christophe, je t'en prie. Merci Charles. Voilà, en fait, moi je vais vous parler donc de cette fameuse réduction de risque par approche multicouche dont le professeur Klumek a déjà évoqué certains aspects et je vais essentiellement les illustrer et vous parler de cette modélisation.
Vous avez certainement vu dans la presse ce genre d'infographie évoquée également par le professeur Klumek. Dans certains lieux, une personne peut transmettre le virus à de nombreuses personnes. Ce sont ces fameux événements super propagateurs. On a ce cas dans la chorale aux États-Unis, on a ce cas dans le restaurant en Chine et tous les autres qui ont été cités jusqu'à présent. Donc tout ceci ne peut s'expliquer effectivement que par une transmission par des aérosols, c'est-à-dire des petites particules qui restent en suspension dans l'air longtemps et qui voyagent loin. Donc longtemps, c'est de l'ordre de l'heure, voire plus, et qui voyagent loin, c'est de l'ordre de plusieurs mètres, voire plus. Et donc, dans certaines circonstances, une personne peut en contaminer ou transmettre le virus à beaucoup de personnes, et ces circonstances sont l'intérieur, un lieu mal ventilé, une grande densité de personnes, une longue durée et une absence de masque, et tout ça est documenté dans la littérature. Une manière de le visualiser, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce tableau, mais vous aurez les slides pour le voir plus en détail, c'est cette matrice, très simple, il n'y a pas de formule, qui vous montre, par exemple, que si vous êtes ici en haut à gauche, à l'extérieur, bien ventilé, avec un masque et silencieux, il n'y a pratiquement pas de risque. Effectivement, le masque n'est même pas nécessaire. On le voit ici, si vous restez dans certaines circonstances à l'extérieur. Par contre, si vous êtes à l'intérieur, c'est mal ventilé, il y a beaucoup de personnes et vous êtes en plus occupé à crier ou chanter, alors là, vous êtes à haut risque et puis il y a tous les dégradés entre les deux. Donc, comment est-ce qu'on fait ce genre de tableau ? Ben, c'est sur base d'un modèle que je vais évoquer dans un instant. Donc, on le voit, seule une combinaison d'actions, puisqu'il y a une combinaison de manières de propager le virus, seule une combinaison d'actions peut stopper ou en tout cas réduire la propagation. Et cette combinaison d'actions, elle est à la fois du ressort des pouvoirs publics, du ressort individuel et puis du ressort des entreprises. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, des entreprises, en particulier celles qui reçoivent du public. Et vous allez pouvoir agir. Alors, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé des surfaces. On commence à connaître. On a beaucoup parlé des gouttelettes. On commence également à connaître le masque, la distance physique. Et enfin, il y a ce fameux sujet des aérosols qui est un petit peu moins palpable, mais qui, ici, commence à être beaucoup plus clair, puisque le risque de transmission par l'air, le risque aérosol, va dépendre notamment de la durée, du type d'activité, du type de parole. Donc, ce sont deux éléments importants également. Si vous restez silencieux ou si vous chantez ou si vous criez, c'est deux extrêmes. Du type d'activité également, si vous restez assis à un bureau ou si vous êtes dans une salle de sport et que vous faites du fitness, de l'aérobic, du spinning, on est dans deux extrêmes également. De la ventilation, voire purification, non seulement du débit, c'est-à-dire du renouvellement d'air, mais également du type et du flux, puisqu'on peut avoir un bon renouvellement d'air en moyenne. Et puis, il faut faire attention à certaines poches qui peuvent être moins bien ventilées. Et enfin, du nombre de personnes, évidemment. Le professeur Klumek l'a évoqué, ce que nous appelons risque aérosol, c'est le nombre de personnes potentiellement contaminées en présence de cette fameuse personne super propagatrice. Et ce qu'on veut éviter, ce sont ces super propagations, c'est-à-dire qu'on veut garder le fameux R, le nombre inférieur à 1. On n'arrivera jamais à 0 et c'est tout à fait illusoire et ce ne serait pas raisonnable. Dès lors, ces différents facteurs vont s'appliquer à votre lieu, à votre événement, mais en fonction de votre lieu et de votre événement, certains d'entre eux seront fixés et d'autres seront libres. Si vous êtes un théâtre, par exemple, le type de parole, bien, les acteurs vont parler fort, la pièce de théâtre va durer pendant peut-être une heure et demie, ça c'est fixé. Par contre, vous pouvez peut-être agir sur le port du masque et la ventilation, le port du masque par les participants, par les spectateurs et la ventilation. Par contre, si vous êtes un restaurant, bien évidemment, il n'est pas question de port du masque et il faudra peut-être mettre encore plus l'accent sur la ventilation, etc., etc.
Donc, les différents secteurs ont déjà réfléchi à ces aspects et mettent en tout cas des recommandations dans des guides sectoriels. Alors, à partir de là, on peut définir une stratégie de réduction de risque et cette stratégie va fonctionner en différentes couches et chaque couche va être plus efficace que la suivante, que la couche inférieure. En effet, il va être plus efficace de, par exemple, éliminer le pathogène, c'est-à-dire réduire la probabilité qu'une personne contaminatrice soit présente. Ça, on va les pouvoirs publics qui travaillent, par exemple, par la ventilation, par la vaccination, pardon, mais également c'est rester à la maison si on est malade ou à risque, c'est le testing à l'entrée dans certains cas de lieux plus à risque. Ça, c'est la partie réduire la probabilité. Ensuite, on va passer à ce qu'on appelle les contrôles d'ingénierie, c'est-à-dire des appareils qui vont fonctionner, qui vont être présents sans l'intervention humaine. On parle de ventilation. C'est là-dedans que ça s'inscrit, la purification. Également, les dispositifs de type plexiglas vont être importants dans certaines conditions et circonstances. Enfin, les contrôles administratifs, c'est-à-dire dire aux personnes quoi faire. On comprend que c'est parfois moins efficace. On va au cinéma, au restaurant pour passer un bon moment et pas pour qu'on nous dise nécessairement ce qu'il faut faire. Et enfin, le moins efficace finalement, parce que c'est la dernière barrière après avoir mis en place tout le reste, mais néanmoins extrêmement importante, c'est tout ce qui est équipement de protection personnelle, qui sont les masques, les gants, etc. Ici, essentiellement, les masques. Alors, à partir de là, la question, si on parle de ventilation, c'est que veut dire bien ventiler ? Et puis, vous l'avez rapidement compris. Maintenant, la réponse, c'est que ça dépend de l'activité et des autres facteurs de cette fameuse liste de risques. Par exemple, pour un bureau, ça va être l'apport de 40 mètres cubes d'air par personne et par heure. Mais vous comprenez que dans le cas d'une activité sportive, ça va être plus. Dans le cadre d'autres activités, ça pourrait éventuellement être moins. Donc, pour estimer ce risque, donc ces 40 mètres cubes par personne et par heure sont un premier guide. Pour estimer ce risque, il existe des calculateurs ou, je dirais plutôt, des estimateurs, puisque ça va vous donner un ordre de grandeur. Et l'un d'eux est un calculateur en ligne publié par l'école de santé publique d'Harvard. Ici, je vais vous illustrer, vous retrouvez le lien dans les slides, je vais vous illustrer son fonctionnement sur un autre calculateur un petit peu plus austère, mais qui donne des résultats assez précis. Et dans le cas suivant. Voilà, donc ici, j'ai pris un exemple qui est, prenons une ASBL, une assemblée générale, on a 26 personnes pendant 3 heures dans une pièce de 250 mètres cubes, donc quelque chose de raisonnable, 10 mètres fois 10 mètres fois 2 mètres et demi de plafond. La personne superpropagatrice y parle à voix forte, c'est peut-être un des administrateurs pendant 20% du temps, et les porteuses d'un variant. Personne ne porte de masque et la salle n'est pas ventilée. On peut rentrer ces différents paramètres dans un calculateur ou l'autre. Ici, la formule, le résultat vous donne l'idée, l'ordre de grandeur que sur ces 26 personnes, 9 pratiquement vont être en moyenne contaminées. Et donc à partir de ce moment-là, on peut commencer à réduire le risque, à penser réduction de risque et jouer avec les différents paramètres et voir un petit peu ce qui se passe. De base, donc, on a pratiquement 9. Je rappelle le scénario ici en haut à droite. Et puis, on va rajouter d'autres mesures. La première mesure que l'on va rajouter, donc en passant au bâtonnet suivant, c'est de réduire le temps. Si je réduis à 2 heures au lieu de 3, si toutefois c'est possible, je vais déjà réduire pratiquement de 30% la contamination. Bon, ce n'est pas toujours possible. Une autre possibilité au bâtonnet suivant, c'est le scénario de base et cette fois-ci rajouter de la ventilation, 40 mètres cubes par personne et par heure, R9.
on voit qu'on a pratiquement divisé par 3. On peut également ajouter des masques, donc le scénario de base plus le masque chirurgical pour tous, bien ajusté, on réduit encore également. Et puis alors, ce qui devient vraiment intéressant, c'est de pouvoir jouer sur l'ensemble des facteurs. On a par exemple le masque et 2 heures et 40 mètres cubes par personne par heure. Là, on arrive largement en dessous de 1, pratiquement à 0,3 ici de mémoire. Et dernière possibilité, c'est d'encore augmenter la ventilation dans la fourchette supérieure de ce que l'avis du CSS, du Conseil supérieur de la santé, avait préconisé il y a quelques mois, 80 mètres cubes par personne par heure. Et là, on divise encore la contamination par 2, le risque de contamination. Donc, tout n'est pas possible partout. Il n'est pas possible de descendre le curseur à 0 partout, mais par contre, il est possible de jouer sur ces différentes couches de manière à réduire le risque au maximum. Dans ce cadre, un des outils que vous pouvez utiliser, c'est la mesure du CO2. On en a beaucoup parlé. Pourquoi mesurer le CO2 ? Parce que, à la fois, en rejetant des aérosols, on rejette également par le mécanisme de la respiration, on rejette également du dioxyde de carbone. Et donc, ça va vous permettre soit de visualiser le risque, soit de motiver peut-être votre personnel à aérer. Et on voit que ça fonctionne en donnant ce genre d'appareil à une équipe. Automatiquement, le risque est beaucoup plus palpable et les personnes aèrent beaucoup plus. Dans quel cas ? Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est dans un cas où vous avez la possibilité de ventiler avec de l'air frais. À partir du moment où il y a une interférence, où vous avez des purificateurs d'air, des filtres, etc., la mesure n'aura plus de sens. Vous pouvez le faire avec des capteurs relativement bon marché. Ça reste encore évidemment un budget, mais on n'est pas sur des 2000 euros non plus. Et il existe une petite formule qui vous permet de voir, de calculer combien de mètres cubes par personne et par heure à partir du taux de CO2 mesuré. Et si vous le souhaitez, j'ai également rajouté dans la présentation ici quelques valeurs typiques. On parle souvent de 900 ppm, ça correspond à ces fameux 40 mètres cubes par personne et par heure. Voilà, en résumé, le but c'est d'agir sur les différentes couches, la durée, le type d'activité, le type de parole, le port du masque, la ventilation, purification et avec une petite attention également au flux, le nombre de personnes et le volume de la pièce. Combien ? Vous avez un premier guide dans la législation et qui va s'étoffer au fur et à mesure. Vous avez les guides sectoriels également, les capteurs qui peuvent vous aider à mieux percevoir le risque et à mesurer combien de mètres cubes par personne par heure sont réellement disponibles. Et enfin, les calculateurs avec un usage raisonné, une conscience de leurs limites. Je terminerai donc par ce petit résumé et je vous repasse la parole. Bien, un grand merci mon cher Christophe. Et donc, comme je l'avais dit, il a réussi quand même à expliquer des choses compliquées avec des termes relativement simples et il a parfaitement illustré le précepte de Boileau qui dit que tout ce qui se conçoit simplement s'énonce clairement et les mots viennent aisément pour le dire. Alors, je vous propose de poursuivre. Je constate d'ailleurs avec plaisir que nous sommes tout à fait dans les temps de ce qu'on s'était proposé. Et nous avons invité deux autres personnalités à s'exprimer parmi nous. Et le choix que nous avons fait n'est pas un choix que nous avons fait par hasard. Nous avons souhaité, et vous comprendrez aisément pourquoi, ne pas inviter à s'exprimer directement des firmes ou des sociétés, tout aussi honorables puissent-elles être, afin d'éviter une surenchère de publicité ou de marketing. Ce que nous avons souhaité faire, c'est par conséquent inviter des personnalités reconnues pour leurs compétences scientifiques et techniques, mais qui soient des personnalités émanant d'organismes relativement neutres, comme c'est le cas ici en l'occurrence. Alors, Samuel Caillou, qui va nous faire part de son expérience, est effectivement membre d'un de ces organismes neutres qui est le CSTC, le Centre scientifique et technique de la construction, bien connu pour son expertise, pour ses recommandations et tout à fait estimé sur la place publique. Samuel est bio-ingénieur, c'est une formation d'ailleurs très large qui mène
à beaucoup de choses. Il est aussi docteur de formation. Il a plus de 10 ans d'expérience en ventilation au sein du Centre scientifique et technique de la construction. Il a de nombreuses contributions à son actif pour les installateurs et les entrepreneurs, notamment une note d'information technique. Et Dieu sait que les notes d'info du CSTC sont toujours très lues avec beaucoup d'attention. C'est une espèce de code pratique pour la conception et l'installation du système de ventilation résidentiel. Contribution également dans la normalisation belge et européenne, ainsi que la réglementation. Il est impliqué dans plusieurs projets de recherche et d'innovation. Il est également co-représentant de la Belgique à l'AIVC, donc qui est l'Air Infiltration and Ventilation Center, qui est le centre d'information, comme son nom l'indique, sur la ventilation. Et avec d'autres collègues, il est dans ses panels d'experts au sein d'une autre task force, celle-là, une grande task force, ventilation du commissaire Corona, et a contribué à l'élaboration du plan d'implémentation sur la ventilation et le Covid, qui a récemment été publié par le SPF Santé. Voilà, Samuel, vous avez la parole. Merci pour l'invitation et merci pour cette introduction. Voilà, est-ce que vous voyez bien ma présentation ? Oui. Voilà, donc effectivement, moi je vais vous parler principalement de ventilation et un petit peu aussi de purification d'air par filtration. Alors la ventilation, tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Ben, évidemment, c'est pas nouveau, même si c'est très important aujourd'hui. La ventilation existait déjà avant la crise qui nous occupe actuellement. Alors la ventilation, c'est quoi ? C'est le principe d'alimenter les espaces avec de l'air neuf, les espaces où il y a présence de personnes. Et surtout, le but de la ventilation, c'est d'évacuer les polluants à l'intérieur. En effet, il y a un certain nombre de polluants qui sont vraiment spécifiques de la présence en intérieur. Il y a bien sûr des polluants aussi, dans une certaine mesure, dans l'air extérieur, mais il y a vraiment des polluants spécifiques à l'intérieur, comme par exemple, on en parle aujourd'hui, le coronavirus. Mais avant de parler du coronavirus, il y avait déjà d'autres polluants qui nécessitaient d'appliquer la ventilation. C'est d'abord tout ce qu'on appelle les bioeffluents, donc les polluants qui sont émis par les personnes, des odeurs bien sûr, mais des polluants qui peuvent être toxiques aussi, et dont le CO2 est un bon traceur. Ensuite, principalement résidentiel, mais aussi dans d'autres secteurs, on a production d'humidité par les personnes, par les activités de nettoyage, etc., qui est associée à un risque de développement de moisissures, éventuellement aussi à certaines odeurs. Et enfin, on a tout un groupe de polluants gazeux qui sont émis par les matériaux, qui n'ont ici rien à voir avec le Covid, mais j'en parle quand même pour bien rappeler c'est quoi la ventilation. Polluants gazeux qui sont émis par exemple par les revêtements de sol, par les peintures, mais aussi par le mobilier ou par certains des objets ou de nos activités qu'on utilise au quotidien. Et donc la ventilation va avoir pour but d'éliminer tous ces polluants, et il existe différents types, différents principes de ventilation selon que l'air est transporté de manière naturelle ou de manière mécanique. Les systèmes les plus courants aujourd'hui, c'est le système qu'on avait appelé principalement de type C, avec une alimentation mécanique et une évacuation, une alimentation naturelle, pardon, et une évacuation mécanique. On a également le système qu'on appelle couramment le système de type D, dans lequel autant l'alimentation que l'évacuation sont complètement mécaniques. Alors, je le disais, la ventilation n'est pas nouvelle. D'ailleurs, elle est obligatoire. Elle était déjà obligatoire dans certains contextes avant la crise du Covid. Tout d'abord, la réglementation PEB, donc sur la performance énergétique des bâtiments, impose la ventilation dans les bâtiments neufs, que ce soit résidentiel ou non résidentiel. Et on le voit ici sur le slide, par exemple, pour les bâtiments non résidentiels, il y a une exigence de débit de 22 mètres par heure et par personne dans ces bâtiments neufs. Je vous ai repris ici deux exemples, parce que dans la réglementation, il y a aussi des valeurs de taux d'occupation minimum en fonction du type d'espace. Et donc, par exemple, pour un bureau, pour 4 personnes, avec une surface de 60 mètres carrés, on va avoir un débit dans la réglementation PEB de 88 mètres par heure. Autre exemple, dans une salle de réunion de 70 mètres carrés pour 20 personnes, eh bien, la réglementation PEB prévoit un débit minimum de 440 mètres cubes par heure. Alors, comme on le voit, ça dépend du type d'espace. Donc, je vous ai mis ici le lien vers les informations détaillées de cette réglementation en région bruxelloise, dans laquelle vous retrouverez notamment ce tableau avec toutes les valeurs de taux d'occupation minimum en fonction du type de locaux, que ce soit des bureaux, des salles de réunion, des halls d'accueil, des salles d'attente, etc.
Alors, une autre réglementation importante qui existait déjà aussi avant la crise actuelle, c'est le codex du bien-être au travail, qui concerne un grand nombre de sujets sur le bien-être au travail, et notamment, il y a toute une série d'exigences sur les lieux de travail, et en particulier sur l'aération, la qualité de l'air et la ventilation de ces lieux de travail. Alors, cette réglementation a été en partie révisée en 2019 et elle contient aujourd'hui principalement trois volets d'exigence. Le premier volet d'exigence, c'est l'obligation de réaliser une analyse de risque dans les lieux de travail concernant la qualité de l'air. Le deuxième volet d'exigence, donc c'est l'exigence de base de qualité de l'air, qui s'exprime sur base d'un niveau maximum de concentration en CO2 ou sur base d'un débit minimum à respecter. Et le troisième volet d'exigence, c'est pour les bâtiments existants qui aujourd'hui ne sont pas pourvus d'un système de ventilation, par exemple, ou qui ne satisfont pas cette exigence de base, il y a l'obligation de prévoir un plan d'action pour, à terme, mettre ces bâtiments en conformité. Alors, l'exigence de base dans cette réglementation fixe, on peut l'exprimer de deux manières. On peut choisir à quelle exigence on décide de vérifier la conformité, soit une concentration maximum en CO2 de 900 ppm, soit un débit minimum de ventilation de 40 mètres cubes par heure et par personne. Il faut savoir que dans cette réglementation, il y a aussi la possibilité d'avoir une dérogation à certaines conditions pourra permettre un débit plus faible, mais qui, dans le cadre ici de la crise Covid, n'est pas très intéressant, puisque vous l'avez compris dans les présentations précédentes, on recommande de ventiler finalement le plus possible pour éliminer les aérosols. Alors, un système de ventilation, c'est quoi? Je vous ai montré ici quelques photos, quelques illustrations de composants, de systèmes, de groupes de ventilation de type D, de type C, des filtres, des diffuseurs dans des espaces. Il y a bien sûr un grand nombre de systèmes différents, un grand nombre de composants différents, d'applications différentes. Et il y a aussi depuis un certain nombre d'années des systèmes qu'on va appeler décentralisés qui se sont développés et qui sont très utiles en rénovation de bâtiments existants pour ventiler par exemple une classe, une salle de réunion. Ce sont des systèmes qui permettent l'alimentation et l'évacuation mécanique, qui sont connectés sur un mur donnant sur l'extérieur, et qui permettent donc de ventiler séparément une pièce de ce type-là. Donc, il y a effectivement des solutions techniques qui existent aussi pour les bâtiments existants. Alors, ça, c'était un peu la vue d'ensemble de la ventilation en général. Quelques mots maintenant sur le Covid, les aérosols et la ventilation. Mais je vais passer vite sur cette partie parce que la plupart des informations ont déjà été données précédemment. Donc, on l'a bien compris dans les exposés précédents. Au cours de l'année écoulée, on a vraiment eu une augmentation de l'importance de la transmission par aérosol. Ces aérosols, donc, qui sont vraiment ces fines gouttelettes, qui, contrairement aux grosses gouttelettes qui vont sédimenter au sol rapidement, les fines gouttelettes, elles vont plutôt avoir leur phase liquide qui va s'évaporer, elles vont devenir encore plus fines et elles vont rester dans l'air pendant très longtemps. Alors, que se passe-t-il avec ces aérosols? En absence de ventilation et en présence d'une personne contaminée, ces aérosols peuvent bien sûr s'accumuler dans l'espace, la concentration va augmenter et donc le risque de contamination des autres personnes va être assez important. Le but de la ventilation, c'est de diluer cet air pollué, d'éliminer ces polluants intérieurs et donc aussi ces aérosols, et de diminuer cette concentration, donc de diminuer le risque de contamination des autres personnes présentes. Alors, ça a été dit en introduction, donc mes collègues et moi, nous avons été contactés, invités à participer à la task force ventilation du commissariat COVID, qui dépend du comité de concertation. Et donc, nous avons, avec beaucoup d'autres experts, modestement contribué à la réalisation, le développement d'un document qui est un plan d'implémentation concernant la ventilation et la qualité de l'air dans le contexte COVID. Donc, ce document est publié maintenant depuis le 27 avril. Et je vais maintenant vous présenter un petit peu les différentes mesures de ce document. Alors, tout d'abord, en termes de débit, ce document préconise un débit de 40 mètres cubes par heure et par personne, en tout cas pour les situations où les personnes ont une activité calme et assise, par exemple en bureau, en salle de réunion, etc. Et comme cela a déjà été dit, donc cela correspond à une concentration intérieure en CO2 de 900 ppm. Je vous ai repris ici la relation
entre CO2 et débit, donc qui permet de voir cette relation. Alors, le plan d'implémentation, pardon, ce document reprend ensuite un certain nombre de situations typiques et de recommandations. Alors, la première étape qu'on a voulu mettre en avant, c'est de dire, ben, OK, dans certains cas, on n'a peut-être pas un système de ventilation ou on ne sait pas si on a un système de ventilation. On n'a peut-être pas non plus des capteurs CO2 qui nous permettent de mesurer la qualité de l'air. Mais dans ce cas-là, la priorité, c'est d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les portes autant que possible en présence de personnes, éventuellement de limiter l'occupation des personnes dans ce local. Le document reprend notamment un certain nombre de règles de base pour calculer une estimation du nombre de personnes en fonction du nombre de fenêtres disponibles, par exemple. Le deuxième cas de figure, c'est dans le cas où on a un système de ventilation mécanique et on peut par exemple mesurer le débit ou connaître ce débit de ventilation qui va permettre de calculer la capacité maximale que l'espace peut occuper en tenant compte donc, du débit de 40 mètres cubes par heure et par personne. Et donc, à tout moment, on peut vérifier que dans cet espace, on ne dépasse pas cette capacité maximale et donc on est bien dans une situation satisfaisante dans le cadre de ce plan d'implémentation. Si ce n'est pas le cas, on va devoir prendre des dispositions, que ce soit par exemple la mesure du CO2, je vais en parler directement, l'amélioration de la ventilation ou éventuellement la purification de l'air. Alors, je parlais il y a deux petites secondes de la mesure du débit. Je vous ai donné ici des illustrations pour être concret, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, de comment on peut mesurer les débits au niveau d'un diffuseur dans un espace, au niveau d'un conduit de ventilation, par exemple. Alors, deuxième grand point dans ce plan d'implémentation, c'est la mesure du CO2. Donc, on l'a dit, il y a une relation entre CO2, débit de ventilation et présence de personnes. Il y a un certain nombre de capteurs CO2 qui sont disponibles sur le marché et qui permettent donc de mesurer si on est suffisamment bas par rapport à cette limite proposée de 900 ppm de concentration en CO2 dans l'air. On peut bien sûr faire des mesures permanentes. Alors, on a un contrôle en permanence de la situation, de la capacité d'occupation dans le local. On peut aussi faire des mesures aléatoires simplement pour mettre en place une stratégie d'aération des fenêtres, de limiter la durée, ce genre de choses. Une fois que cette stratégie est mise en place et que les concentrations en CO2 sont suffisamment faibles sur un certain nombre d'événements de tests, on peut supposer que la situation est OK, également satisfaisante. Si ce n'est pas le cas, on va devoir effectivement prendre des dispositions, donc de nouveau améliorer la ventilation ou éventuellement la purification de l'air. En termes de capteurs CO2, je vous ai mis ici quelques petits exemples. Un capteur portable qui permet de mesurer la concentration ponctuellement dans un local. Un capteur avec un affichage de la valeur qu'on mesurait et aussi un affichage sous forme de couleur des niveaux de CO2. Et puis, il existe aussi des systèmes qui permettent de faire un monitoring à plus long terme et de voir vraiment l'évolution de la concentration en CO2 au cours des heures, au cours des jours, et donc de voir comment la situation évolue, par exemple, en fonction de différents types d'activités dans un local. Quelques mots maintenant dans ce plan d'implémentation sur la purification de l'air. Donc, on parle dans ce plan d'implémentation de deux familles de purification de l'air. La purification de l'air par captation ou filtration. Dans ce premier cas, on va vraiment avoir une capture des aérosols dans le système de purification, par exemple grâce à la filtration, et l'air qui est réinjecté dans la pièce par l'appareil va être dépourvu en grande partie de ces aérosols. La deuxième grande famille, c'est des purificateurs d'air qui sont basés sur l'inactivation. Dans ce cas-là, on n'a pas nécessairement une capture des aérosols dans l'appareil, mais on a un traitement, il y a différents traitements qui existent, par exemple l'UV, qui va inactiver en grande partie le virus en fonction de son dimensionnement, du dimensionnement de l'appareil, et qui va permettre donc de refournir de l'air, peut-être pas déchargé en aérosol, mais en tout cas dans la charge virale, l'activité du virus est fortement réduite. Alors, dans le document complet, il y a un schéma plus complet qui reprend un petit peu toutes les voies. Ce qui est important que je vais vous mettre en évidence dans ce schéma, c'est qu'il y a plusieurs voies pour arriver à une situation qui est OK, qui est satisfaisante. Il n'y a pas que les capteurs CO2, il n'y a pas que la purification d'air, il n'y a pas que le système de ventilation. En fonction du cas, on a vraiment plusieurs chemins pour y arriver à une situation donc satisfaisante, en gardant toujours bien à l'esprit que en termes d'aérosol et de ventilation, il n'y a pas une valeur sûre à 100%. Hein, ça a déjà été dit précédemment. Bien sûr qu'il y a un effet très important de la ventilation pour diminuer la concentration en aérosol,
mais la ventilation ne va pas rendre cette concentration en aérosol nulle et donc pas non plus rendre le risque nul. Il est fortement réduit, mais il n'est pas nul. C'est toujours important quand même de le garder à l'esprit. Quelques mots maintenant, peut-être plus spécifiquement sur la purification de l'air par captation. Je ne parlerai pas de la partie inactivation parce que ce n'est absolument pas mon domaine de compétence. Il y a aussi du potentiel pour cette partie inactivation, mais je ne suis pas expert là-dedans. Je vous montre ici quelques données sur la purification, principalement par filtration. Alors ici, vous avez quelques exemples de filtres et une photo à très gros grossissement des fibres d'un filtre. Alors la filtration, comment est-ce que ça marche? On a simplement les aérosols qui sont retenus mécaniquement par les fibres du filtre, que ce soit par impaction pour les plus grosses particules ou les phénomènes de diffusion jouent un rôle important pour les particules les plus fines. Alors pour les filtres, pour la filtration, il y a une norme internationale, une norme européenne qui permet de déterminer l'efficacité de filtration de ces particules fines et donc de ces aérosols. Et dans ce qui nous concerne ici, on va surtout s'intéresser aux filtres EPA et HEPA. Et vous avez ici un exemple d'une photo d'un appareil mobile donc qui est pourvu d'un filtre et pas d'un ventilateur et qui va donc aspirer l'air, le filtrer et puis le réinjecter dans la pièce. Il existe également des techniques de précipitateurs électrostatiques qui ont un rôle similaire à la filtration, mais qui fonctionne selon un principe différent. On n'a pas ici une captation mécanique des aérosols dans un filtre, mais on a une ionisation de l'air, donc une ionisation des particules qui sont ensuite attirées, retenues par des plaques métalliques sur lesquelles il y a une différence de potentiel électrique. Et puis ce système doit être soit régulièrement nettoyé, soit il y a une partie qui est remplaçable dans le système. Et ce système, donc, c'est aussi le principe de captation. Et il peut aussi être testé selon les mêmes normes que les filtres en principe. Alors, ventilation ou purification de l'air, est-ce qu'on doit choisir? J'ai essayé ici d'un petit peu mettre en comparaison, et pas du tout en contradiction, mais plutôt en comparaison, un certain nombre d'éléments clés entre les deux. En termes de polluants, ben, la ventilation, je l'ai dit, va couvrir tous les polluants intérieurs, notamment aussi les polluants gazeux émis par les matériaux. Au niveau de la purification d'air, ça dépend de la technique. On peut éventuellement combiner différentes techniques, mais certains purificateurs d'air, par exemple la filtration, ne va s'occuper que des particules fines aérosols et pas des polluants gazeux. Pour rappel aussi, je l'ai dit, donc la ventilation est obligatoire dans certains contextes, notamment la réglementation sur les lieux de travail. Donc à long terme, c'est quand même important de l'avoir en tête. En termes d'efficacité, la ventilation peut être quantifiée en termes de débit, éventuellement estimé par une mesure de CO2. Pour la purification de l'air, il y a une nécessité de connaître l'efficacité de la machine, de vraiment la filtration, l'inactivation, ce qui n'est pas forcément évident et représente, même si ce n'est pas impossible, représente encore, je pense, un certain nombre de défis pour certaines techniques. Je ne vais pas parcourir le reste en détail, mais simplement ici pour dire que la ventilation, on va plutôt l'utiliser comme un investissement à long terme, notamment dans le contexte aussi d'une mise en conformité à la réglementation lieu de travail. Alors que la purification de l'air va être une solution complémentaire qui va plutôt être utilisée dans une situation peut-être d'urgence, là où ce n'est pas possible de prendre d'autres mesures ou d'installer un système de ventilation. Donc, il y a certainement une complémentarité entre les deux. Pour rester dans le temps imparti, je n'ai pas pu couvrir tous les sujets, mais je voudrais quand même juste rappeler ici un point spécifique de certains systèmes HVAC de grande taille dans des grands bâtiments pour des systèmes de chauffage et climatisation qui sont basés sur le principe du tout air. Ce n'est pas le cas de tous les systèmes, il y a certains systèmes qui fonctionnent comme ça, dans lesquels on a en fait, pour le besoin du chauffage ou de la climatisation, pas pour le besoin de la ventilation, on a une recirculation d'air. Et donc là, il est aussi nécessaire de prendre des mesures pour limiter le risque de recirculation des aérosols en ajoutant des systèmes de filtration ou de purification dans ces systèmes, si ce n'est pas possible de désactiver ou de modifier la recirculation. Et enfin, je terminerai tout simplement par une petite remarque qu'on doit peut-être toujours garder en tête quand on parle de ventilation, mais aussi de purification d'air, c'est que les deux fonctionnent un peu par un principe de dilution. C'est-à-dire que quand on a un débit de ventilation dans un local, on ne va pas remplacer en un claquement de doigts tout l'air de ce local, mais on va vraiment avoir une dilution. On le voit ici sur le graphique à partir d'un temps zéro où on a une source de polluant, peu importe ce polluant, et un certain débit de ventilation, on va avoir une augmentation progressive. Ce n'est pas directement la première seconde qu'on a une forte concentration en polluant, ça va être progressif, on va arriver à un plateau qui va correspondre à l'équilibre entre la source et le débit de ventilation.
Et puis, si cette source de polluants est stoppée, la diminution va commencer, mais elle n'est pas non plus immédiate. Et donc, par exemple, dans ce cas-ci, le calcul est fait pour un taux de renouvellement d'air de 2 H. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un débit qui est 2 fois le volume de la pièce par heure. Et pourtant, malgré que on pourrait se dire à chaque heure on renouvelle tout l'air, eh bien ça prend quand même un peu de temps et on voit que entre l'heure 3 et l'heure 4, on n'a pas encore atteint la valeur nulle, simplement parce que c'est un système qui fonctionne sur base de la dilution. Donc c'est important de le garder en tête, de ne pas trop vite calculer à partir de 2 renouvellements d'air par heure, par exemple. Il ne faut pas en conclure qu'au bout d'une demi-heure, on a renouvelé complètement l'air de la pièce. On a à peine fait un peu plus que la moitié. Voilà, j'en termine là et je pense que vous aurez les présentations par la suite dans laquelle j'ai également ajouté un certain nombre de références qui peuvent être utiles. Voilà, je repasse la parole. Merci. Merci Samuel pour aussi cette présentation très très claire et donc je pense qu'on aura apprécié d'avoir successivement un schéma décisionnel qui est quand même extrêmement limpide. D'une part, Christophe qui nous présente un schéma qui vient de l'université d'Harvard et qui en pratique est quand même très très utilisable. Et ici, un schéma décisionnel qui est extrêmement précieux également pour les utilisateurs, ce qui rejoint un débat que nous avons eu interne hier, c'est qu'il nous faut pouvoir disposer d'outils simples si on veut que les gens puissent s'approprier le processus de ventilation et puissent être dans une espèce de processus d'autocontrôle. Donc voilà, et je pense que cela n'aura pas échappé non plus au professeur Kumek qu'on a abordé hier un système sur lequel on se posait des questions, à savoir le couplage entre la ventilation et la purification. Donc merci Samuel, et donc je vais sans plus attendre vous proposer l'orateur suivant. L'orateur suivant, c'est le professeur Alessandro Parente. Le professeur Alessandro Parente a fait ses classes initialement comme ingénieur chimiste où il a obtenu son master et puis son doctorat dans une très très belle université que j'ai d'ailleurs eu le plaisir de fréquenter moi-même, l'université de Pise en 2005. Puis son doctorat, il l'a fait en collaboration avec l'université d'Utah où il a travaillé comme chercheur associé de 2007 à 2009. Il a ensuite commencé à fonctionner dans une très belle institution également, qui est l'institution von Karman, qui est bien connue des spécialistes. Et ici, on est dans le département aérothermomécanique, et puis maintenant à l'Université de Bruxelles, où il est donc devenu assistant pour devenir ensuite professeur dans cette même institution. Il est dépositaire de plus d'une 70 publications en la matière, donc nous avons ici une personnalité de choix que nous remercions dès à présent d'avoir accepté notre invitation. Professeur Parente, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, pour l'introduction. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mes slides? Oui. Super. Donc, moi, je vais vous présenter une étude de qualité de l'air qu'on a réalisée pour les locaux de Bruxelles Expo avec des collègues de l'ULB, avec les soutiens de Bruxelles Expo. En fait, je ne pouvais pas demander pour une meilleure introduction à ma présentation parce qu'en fait, il y a certains aspects qui sont très clairs à partir des présentations de M. Caillot. Et donc, moi, je vais vous présenter une étude de qualité de l'air. Et donc, c'est très clair pour tous maintenant qu'une telle étude est très importante parce que la transmission du virus par voie aérienne est liée à des contaminants, comme par exemple le taux de CO2, qui sont en fait des scalaires passifs, c'est-à-dire des fluides qui se déplacent avec le fluide principal. Et si on suit en fait leur destin, on peut par exemple évaluer la probabilité de la transmission aérienne avec un agent infectieux. Donc, par exemple, avec l'approche qui a été présentée par M. Floquet avec l'équation de Wells-Rayleigh, et aussi, évaluer quelle est l'efficacité, en fait, d'un système de ventilation ou alors d'un système de purification de l'air. Je voulais revenir très, très brièvement sur les mécanismes de ventilation qui viennent d'être présentés, juste pour indiquer, en fait, qu'évidemment, il y a des systèmes de ventilation par mélange
de ventilation par déplacement. Et on aurait tendance à imaginer qu'un système de ventilation par mélange soit plus efficace parce qu'évidemment, en fait, il amène cette agitation mécanique dans une pièce ou à l'intérieur. Le problème possible ou potentiel de ça, c'est qu'en fait, il peut y avoir des régions en fait, dans la pièce avec des conditions qui sont moins favorables ou avec un risque accru de contamination parce que comme disons, le traceur ou le polluant, le porteur de polluants ou d'agents infectieux est répandu en fait, dans la salle de façon uniforme, en fait, on peut avoir dans certains endroits des situations, des conditions qui sont moins favorables. Nous avons tous vu en fait, pendant les mois précédents cette animation, je pense. Ça a été publié par Les Soirs en collaboration avec l'IPAI. Et ça montre, en fait, ça montrait un peu sur la base de ce qui était dit précédemment, quels étaient les risques en fait, d'infection dans différents endroits. Et donc, il y avait une réunion sociale dans un salon, une petite classe ou un bar. Et donc, toutes disons, ces approches qui sont très utiles, évidemment, se basent en fait sur des conditions homogènes, c'est-à-dire que toutes les conditions à l'intérieur de la salle ont, ont les mêmes caractéristiques, alors que nous savons que en fait, les flux d'air intérieur sont complexes et turbulents, qui sont influencés par la position des entrées et sorties de l'air, par les personnes qui sont présentes dans les locaux, par l'ouverture des fenêtres et des portes, ainsi que par les conditions externe climatique, surtout si on a des systèmes de ventilation naturels. Et donc, la connaissance de ces conditions est très importante pour éviter qu'il y ait de poches d'air viciées où, en fait, il y a un risque de contamination accru. Et donc, c'est un diagnostic important pour remédier, en fait, à ces situations, pour améliorer les systèmes de ventilation et pour réduire le risque d'infection. Donc, quelle approche nous avons utilisée en fait, dans notre étude? Nous avons utilisé la simulation numérique des écoulements, qui s'appelle aussi dynamique des fluides numériques, ou computational fluid dynamics en anglais. C'est une approche où, imaginons d'avoir un système qu'on veut caractériser, donc ici, c'est la dispersion d'un gaz. Ce qu'on fait, en fait dans cette approche, c'est de diviser en fait, ce problème en plaçant beaucoup de petits volumes hein, pour décrire ce qui se passe dans le système d'entrée. Et dans chacun de ces volumes, on résout des équations de principes de conservation de base, comme le principe de conservation de la matière, la quantité de mouvement, l'énergie. Hein. Et pour faire ça, on doit évidemment faire des hypothèses hein, par rapport à certains phénomènes physiques, comme la turbulence, la diffusion. On a parlé de la diffusion des aérosols. Ça, c'est tous des processus physiques qui sont modélisés. Donc, il y a une incertitude liée à ces modélisations. Il y a aussi une incertitude liée au fait qu'on a discrétisé, donc on a divisé notre problème en petits volumes et on a discrétisé aussi dans les temps pour caractériser cette évolution en fait, du phénomène. Et on a une certaine incertitude aussi par rapport aux conditions initiales et limites du problème. Qu'est-ce qui se passe aux frontières de mon problème, qu'est-ce qui se passe à l'état initial. Donc, évidemment, pour utiliser une approche de ce type, on doit faire référence à une méthode qui soit vérifiée, validée, et ce que nous avons fait, en fait, nous avons développé dans les années en fait, une approche qui a été vérifiée dans beaucoup de cas de littérature pour lesquels les données expérimentales sont disponibles, et nous l'avons en fait appliquée à ce problème-ci. Donc, notre objectif, c'est, je vais le réitérer, c'était d'étudier l'impact des systèmes de vérification UVC et de ventilation sur la qualité de l'air intérieur dans certains locaux de Bruxelles Expo. Une petite note de prudence, l'étude que nous avons faite ne peut pas en fait aussi prendre en compte des effets très locaux qui seraient liés, par exemple, ça c'était dit au début de l'introduction de façon très claire, entre personnes qui parlent, crient, chantent, et tourne dans un local et qui n'espère pas certaines gestes barrières. Et donc, c'est pour dire qu'il faut prendre en fait, ces résultats avec une certaine prudence par rapport à des phénomènes très locaux qui pourraient se passer dans les locaux. OK, donc les configurations que nous avons prises en considération sont différentes. Nous avons pris en considération une salle de réunion
le palais 6 et le palais 12. Vous voyez ici des renderings 3D. Vous voyez en fait que cette méthode que nous utilisons comporte un effort computationnel non négligeable parce qu'en fait, les cellules qu'il faut utiliser pour décrire de façon convenable en fait, ces systèmes sont assez conséquentes. On a plus que 4 millions de cellules dans le premier cas, jusqu'à 10 millions pour le palais 12. Dans tous les cas, en fait, nous avons pris en compte en fait, certains éléments géométriques dans le cas de la salle de réunion. Pour les autres cas, la présence des personnes a été prise en compte avec des sources de chaleur. Donc, c'est-à-dire qu'on a imaginé d'avoir des sources de chaleur qui répliquent l'apanage qui en fait, se dessine au-dessus des personnes pour prendre en compte ces phénomènes de diffusion et de dispersion localisée. Ok, donc je voudrais en fait commencer à discuter le cas de la salle de réunion. Donc vous voyez ici les 5 configurations que nous avons analysées. Donc vous avez en rouge à chaque fois l'émetteur. Vous avez en fait un purificateur d'air, hein, dont je vais parler un peu plus en détail dans la prochaine slide, qui a été pris en compte de façon détaillée. Dans cette salle, vu la taille, on peut en fait considérer tous les détails géométriques, ainsi que l'effet des ouvertures des portes et des fenêtres. Donc, vous voyez qu'on a pris en compte des scénarios avec un émetteur ici en train de donner une conférence et alors d'autres émetteurs assis ou alors une configuration avec plusieurs sources de contamination. Un petit mot sur le système de purification. Donc, la technologie qui est visée ici, une technologie UVC sans irradiation directe, aussi avec du plasma et de l'ozone. L'ozone a sorti de cette machine, et selon les données du constructeur, 10 fois inférieure par rapport à la norme. Ces systèmes en fait, qu'on a analysés sont des systèmes avec ou sans système d'aspiration. Par exemple, dans la petite salle de réunion, il y a un système avec une aspiration. Dans les autres, il n'y a pas d'aspiration. Donc, c'est de la convection naturelle. Ces systèmes ont été modélisés de façon explicite dans la simulation numérique, spécifiant une certaine efficacité d'abattement qui est fournie par le constructeur et lors du passage du fluide dans le système. Donc, je voudrais aussi mettre en évidence que des mesures expérimentales de qualité de l'air, donc d'efficacité, disons, et d'innocuité, sont en cours de définition à l'ULB sur le même système. OK, donc je viens aux résultats. Donc, ce que vous voyez ici, c'est à nouveau la salle que nous avons analysée. Et donc, vous avez une coupe hein, avec la projection sur cette coupe du champ de vitesse. Et donc, comme je vous avais dit au début, les conditions sont très loin d'être homogènes. Hein. Ce sont très dishomogènes. On a des accélérations, vous voyez, verticales en correspondance de la branche corporelle qui est mise par chacune des personnes qui est dans la salle. Et donc, on a, disons, ici, en l'absence d'une modélisation forcée, on a des phénomènes de buoyancy ou flottabilité qui sont dus à gradient de température qui vont dominer les mouvements de l'air. Et ce que nous observons, dans tous les cas, c'est une grande hétérogénéité des conditions de d'écoulement à l'intérieur de la place, ce qui, évidemment, va avoir un impact sur la distribution locale des polluants. Donc ça m'amène au résultat par rapport, disons, à la distribution des polluants dans la salle. Donc vous avez un cas de base ici, qui est un cas avec des portes et des fenêtres fermées et avec un purificateur d'air qui n'est pas actif. Et après, vous voyez, donc, je me déplace vers la droite. Et si vous avez un système encore avec les fenêtres et les portes fermées, mais on a activé le système de purification de l'air, donc vous remarquez tout de suite que la couleur devient moins rouge dans la plupart de la salle. Vous remarquez aussi un effet d'aspiration, parce qu'évidemment, je disais, ce purificateur d'air va aspirer l'air. Et donc, au passage, à travers le système de purification, la concentration de votre polluant diminue. Et donc, vous avez une qualité moyenne de l'air qui est meilleure, mais vous avez toujours des zones qui ne sont pas
disons, convenable dans un point de vue. Et donc, ça me ramène à mon concept initial que dans une même pièce, il peut y avoir des zones de très, très différentes qualités de l'air. Et puis, vous voyez en bas à gauche, la situation qui va se développer quand on ouvre en fait la porte partiellement. Donc, vous voyez que évidemment la qualité de l'air s'améliore ultérieurement et quand on ouvre les fenêtres, on a une situation qui, par rapport au cas initial, est beaucoup plus favorable. J'ai repris ici en fait tous les cas que nous avons analysés. Je ne veux pas en fait les discuter tous. Mais je voulais juste en fait mettre en évidence deux aspects. Donc, par rapport au cas de base, donc avec les fenêtres fermées, les portes fermées et les purificateurs d'air inactifs, le fait d'utiliser un purificateur d'air améliore, disons, on réduit le polluant qui est le porteur de virus. Et ici, c'est très important. Ça, ce n'est pas le virus lui-même, de 80%. Le fait d'ouvrir les portes ou les fenêtres détermine une amélioration encore plus importante en fait, des conditions de qualité de l'air. Je vais rapidement passer à travers du palais 12. Ici, vous voyez en fait, dans la figure à haut, vous voyez la distribution des vitesses au sein du palais 12. Donc, c'est évidemment à nouveau un écoulement très complexe. Qui est évidemment dominé en fait dans ce cas-ci par le système de ventilation qui est très important dans un palais de ce type. Vous voyez, il y a des zones de haute vitesse, des zones de vitesse moyennement uniformes. Mais si on regarde en fait en bas, donc là, j'indique ce qu'on appelle le log and mean age, c'est le temps. Ça donne une idée de renouvellement d'air dans la salle. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement des zones où l'air est très bien renouvelé, mais il y a d'autres zones où il y a une stagnation dans la salle. Et donc, avec une telle analyse, on peut identifier ces zones et imaginer des mesures de remédiation localisées avec des systèmes actifs ou passifs, par exemple. Donc, pour les palais 12, on a analysé différentes configurations d'émission. Donc, vous voyez ici des sources d'émission de polluants localisés ou alors très distribués. Et on a fait une analyse qui est très similaire par rapport à celle de la salle de réunion. Donc, on a pris un cas de référence avec, par exemple, le système de ventilation inactivé. Et par rapport à ce système inactivé, le fait de renouveler l'air avec le système de ventilation, détermine déjà une amélioration très importante en fait, de la qualité de l'air, qui est, disons, ultérieurement accentuée si on active aussi les purificateurs d'air. Évidemment, ici, le rôle principal est celui de la ventilation. Donc, c'est ça que je veux souligner, parce que la ventilation a un débit d'air très important. Mais, comme je vous ai montré avant, il est important de faire attention aux aspects locaux. Donc, il y a des aspects des parties localisées où les concentrations de polluants peuvent être plus importantes. Finalement, je vous montre juste une analyse de risque pour, en fait, qui reprend un peu ce qui a été montré par M. Cloquet. Donc, ici, on a la zone de risque pour la salle de réunion et à droite, celle pour le palais 12. Donc, ce que vous voyez, pour une salle de réunion fermée avec le système de purification actif, le fait d'avoir un système de purification réduit, divise par deux le risque de contamination. Et donc, évidemment, on peut discuter des paramètres qu'on a utilisés pour trouver le 10% de la cas de référence, mais ce qui est important de remarquer, c'est qu'on a une division presque par deux de risque de contamination. Par rapport, par contre, si on regarde le palais 12, le système de conditionnement d'air garantit déjà que le risque global de contamination soit très, très bas. Et donc, le fait du purificateur d'air ici est moins important. Mais encore une fois, attention aux conditions locales, c'est-à-dire que sur la base des analyses qu'on a fait, on a identifié des régions qui sont plus problématiques. Et donc,
Ce que je pense serait un point très important à prendre en compte dans ces analyses de risque, c'est de prendre en compte les conditions locales avec des analyses poussées, comme celles qui sont possibles avec la fluide dynamique computationnelle. Et sur la base des cartographies obtenues, en fait, identifier des possibles améliorations, par exemple à travers des systèmes de purification actifs ou passifs. Donc, avec ça, je vais vous remercier et je m'arrête là. Merci. Merci, professeur Parente. Et je suppose que votre exposé a aussi le mérite, entre autres, de relever un certain nombre de précisions qu'il fallait apporter sur les UVC, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal aussi d'inquiétude et d'incompréhension par rapport à ça. Et donc, je pense que c'était vraiment aussi utile. Et c'est utile aussi de comprendre et de réaliser que par rapport à toutes les fantasmes, les théories complotistes et autres, il n'y a que les perspectives scientifiques mesurées et bien comprises qui peuvent aujourd'hui nous guider. Alors, avant de passer la parole à la salle, je vois que vous êtes très, très nombreux, donc ça nous fait vraiment plaisir et ça nous honore à la ville de Bruxelles de voir que ce webinaire sur un sujet aussi pointu attire autant d'auditeurs ou de spectateurs, oserais-je dire. Je vais d'abord passer la parole à Alia, qui a des précisions à nous apporter sur la manière dont on souhaite réagir. Alia. Merci beaucoup. Alors, tout est écrit dans le chat, c'est tout simplement pour s'assurer que la prise de parole soit plus ou moins équilibrée. Donc, nous avons ouvert l'espace chat, vous pouvez y poser vos questions par écrit ou demander de prendre la parole en cliquant sur le bouton « Participant » à droite de votre écran. Vous avez une option « Lever la main ». À côté de votre nom, une petite main s'affichera à côté de votre nom et le modérateur vous donnera la parole en vous demandant de réactiver votre micro. Voilà. Merci Alia. Donc voilà, donc je vous propose les règles du jeu suivant. Donc un, s'il vous plaît, ne pas refaire une conférence. Je pense que ce qui a été dit est déjà amplement suffisant que pour nourrir le débat. Deux, voilà, chacun est invité évidemment à se présenter pour que l'on sache à qui on a affaire dans le débat, donc c'est extrêmement important. Et trois, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous privilégions essentiellement les processus et le discours scientifique. Et donc, je voudrais éviter aussi que l'on ne soit trop dans une vision marketing, même si je comprends que des firmes et des sociétés aient beaucoup de choses à dire et à se positionner, ce qui est tout à fait logique et honorable dans le débat actuel. Alors... voilà, donc j'ai plusieurs participants qui ont levé la main, mais je ne sais pas les voir. Ah oui, invité. Oui, alors on avait monsieur Guillaume Homs qui est la première personne à avoir levé la main. On vous demande la réactivation du micro. Voilà, on vous écoute. Bonjour tout le monde, merci pour ces présentations. Merci à monsieur Klumek, monsieur Caillou. Monsieur Parente et Monsieur Cloquet, moi j'ai une petite question. C'est vrai que ça, on a affaire à un webinaire sur la purification d'air, mais j'ai l'impression que 80% du temps, on parle encore de ventilation plutôt que de purification. C'est pas un reproche, c'est de manière générale. C'est vrai qu'en Belgique, il y a plus de connaissances et plus d'expertise autour de la ventilation que de la purification, de manière générale. Maintenant, je comprends qu'on mette des normes, par exemple de 900 ppm ou de 1200 ppm en cas de ventilation, parce que les taux de CO2 sont effectivement faciles à mesurer et importantes pour tout ce qui sont les aspects cognitifs, par exemple dans des écoles, dans des classes, dans des bureaux, etc. Mais je me pose la question pour tout ce qui est l'horeca, par exemple dans les restaurants, les cafés, etc. C'est souvent des vieux bâtiments au centre-ville. Est-ce que c'est techniquement possible pour ces gens-là d'installer des systèmes de ventilation performants qui va faire en sorte de réduire les taux de CO2, ou est-ce que pour certains secteurs, on ne devrait pas quand même plus mettre en avant la purification, quitte à moins prendre en considération les taux de CO2, mais peut-être d'autres, comme les particules fines, etc., parce que c'est plus facilement installable, c'est plus facile à mettre en place,
et souvent ça reviendra moins cher. Alors par rapport, encore une petite sous-remarque par rapport à ces remarques, moi j'ai bien aimé toutes les présentations, elles étaient très claires, mais c'est vrai que quand j'entends par exemple que la ventilation était quelque chose qu'on fait à long terme et que la purification est quelque chose qu'on fait en urgence, je ne peux pas être 100% d'accord avec ça. Je crois que les deux sont combinables et ça dépend des secteurs d'activité. Il ne faut pas oublier que quand on ventile, si on demandait par le passé de mettre 20 mètres cubes par personne par heure et qu'aujourd'hui on passe à 40, il y a des effets climatiques quand même qui vont être indéniables, qui vont rentrer en jeu. Et quand on fait rentrer de l'air frais dans le cas de figure C, hein, qui a été expliqué par M. Caillou, c'est-à-dire qu'on fait rentrer de l'air de manière manuelle, donc c'est de l'air froid en hiver, il va falloir le chauffer. Est-ce qu'on n'est pas obligé à ce moment-là de sortir des accords de Paris parce qu'on va devoir surventiler, refroidir les pièces et augmenter les factures d'énergie. En plus de ça, quand on fait rentrer de l'air, on fait rentrer de l'air pollué dans les centres-villes. Ce n'est pas le cas de la purification. Voilà, c'était juste ces petites remarques-là. Je pense que la ventilation est importante, mais la purification est peut-être tout aussi importante dans certains cas de figure. Voilà, merci de cet avis. Je pense ne pas avoir entendu dire quelqu'un qu'il fallait privilégier à long terme la ventilation et non la purification, et qu'au contraire, comme vous le dites vous-même, le couplage de ces deux éléments est vraiment tout à fait essentiel, notamment dans l'ORECA. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite, dans le panel ou dans le groupe de la Task Force, répondre plus précisément à M. Holmes. Voilà, donc on prend acte de sa déclaration qui me paraît effectivement tout à fait pertinente, et donc l'avis de la Task Force et de la ville de Bruxelles et de nos experts qui nous entourent est qu'effectivement c'est un couplage efficace à la fois de la ventilation et à la fois des différentes techniques de purification, on vient de nous en montrer une tout à l'heure, qui permettront de sortir de l'ornière, notamment dans des locaux où la ventilation, comme vous le dites, est tout à fait difficile. Je vois M. Étienne Lambert également. Étienne. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Vas-y, donc, Étienne Lambert, directeur général du Mont-Piété à la ville de Bruxelles. Donc, j'avais trois questions. Si je comprends bien, ceci est l'identification d'un mode spécifique de transmission du virus. Mais est-ce que ça supprime pour autant les mesures de distanciation sociale et les mesures de désinfection des surfaces de contact, etc. Moi, je crois que c'est en plus, mais je voulais être sûr. La deuxième, c'est quel va être le niveau d'aide de la ville de Bruxelles dans la détermination de ce qu'il convient de faire dans les lieux et éventuellement dans l'organisation d'achats groupés de solutions qui permettraient, à mon avis, de peser davantage sur le marché. Et troisième chose, est-ce que les efforts qui vont être réalisés par les uns et les autres vont, entre guillemets, être récompensés à l'égard du public par un label ou quelque chose comme ça, des lieux qui auraient fait l'effort de se mettre en conformité. Voilà. Quelqu'un souhaite répondre à... Moi, je vais répondre... Trois volets. Merci, Nathan. Je vais répondre aux mesures complémentaires. Concernant se laver les mains et le nettoyage des surfaces, toutes les études montrent, et il y a un consensus actuellement pour dire que concernant le COVID, c'est un mode de transmission qui est tout à fait négligeable. C'est négligeable. On a dépensé des dizaines et des centaines de millions pour désinfecter des rues, pour vaporiser des tas d'endroits, et probablement que ce n'était pas nécessaire. Maintenant, ça ne veut pas dire que se laver les mains et de temps en temps un gel hydroalcoolique ne sert à rien. Ça diminue tout à fait significativement la transmission d'autres virus. Et je pense en particulier à un virus très embêtant qui s'appelle le norovirus. Peut-être certains d'entre vous ont expérimenté l'épisode désagréable d'une diarrhée cataclysmique qui dure 48 heures, 3 jours ces dernières semaines. Il y a actuellement une mini-épidémie de norovirus. C'est un virus qui se transmet par contact et la dose infectante est très, très faible. Donc, il suffit de toucher une surface et mettre la main en bouche pour qu'on soit infecté. Donc, le fait de se laver les mains et encore mieux au gel hydroalcoolique de temps en temps, ou en tout cas quand on a touché une surface supposée être pas tout à fait propre,
a un sens en termes d'hygiène publique. Et c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à nos enfants à l'école. Moi, je crois que ce serait une bonne mesure dès qu'ils arrivent à l'école, qu'ils commencent par faire ça. Et quand, voilà. Et en tout cas, avant de passer à table, c'est une bonne mesure. C'était des choses qu'on enseignait avant, c'est des choses qu'on a laissé tomber maintenant. Donc ça, c'est pour les mains et les surfaces. Concernant la distanciation sociale, la distanciation physique, elle a de sens, surtout quand il n'y a pas de masque. Parce que quand on n'a pas de masque, les grosses gouttelettes vont jusqu'à 1,50 m, 2 m. Et donc là, il faut garder la distance. Une fois qu'on a un masque, et en particulier un masque chirurgical, la distanciation physique est moins importante. C'est pour ça que je pense que dans le futur, on pourrait arriver à des recommandations ou dans des salles de spectacle, là où il y a une ventilation, une stérilisation, une désinfection de l'air, et que les gens portent un masque, il n'est pas nécessaire d'avoir 3 mètres entre les personnes et 2 mètres pendant les personnes. Ils peuvent être assis les uns à côté des autres avec un masque, pour autant qu'ils n'enlèvent pas leur masque. Et si jamais ils enlèvent leur masque, eh bien, ils vont infecter la personne à côté. Ils ne vont pas infecter 80 personnes dans la salle parce que ça, c'est la ventilation et la désinfection qui va prendre le relais. Donc, pour être tout à fait clair, je ne suis pas en train de dire qu'il faut abolir la distanciation, mais il faut mieux la comprendre et l'adapter au risque réel. Et donc, le risque le plus grand, effectivement, c'est dans un restaurant, dans un bar, dans une boîte de nuit, quand on n'a pas de masque et que là, les contacts sont très, très rapprochés. Et donc, voilà. Donc, c'est ça, en tout cas, à la première question, ce qui est de mon domaine, la réponse que j'apporterai. Voilà, donc, pour ce qui concerne, merci Nathan, pour ce qui concerne les deux autres sous-questions posées par Étienne Lambert, la question des achats groupés, mais ça, c'est une question qui peut se poser le cas échéant pour le domaine de la ville et donc les infrastructures qui appartiennent à la ville. Donc ça, c'est des choses qui sont imaginables. Bon, on ne va pas évidemment faire des achats groupés pour toute la planète. Et alors, la question qu'il pose, la troisième question a trait au label COVID-safe. Mais oui, c'est évidemment l'ambition finale, puisqu'on a dit en début d'exposé, l'objectif n'est plus d'avoir une ouverture générale ou une fermeture générale, surtout pas des secteurs, mais d'avoir une approche différenciée par lieu. Donc, il est clair que l'ambition, c'est d'avoir à terme des labels COVID-safe qui permettent effectivement à la fois au secteur économique, culturel et sportif de fonctionner et aux usagers de pouvoir en bénéficier. Alors, je vais passer la parole à, je vois, Madame Françoise Duvauquel. Oui. Bonjour à tous. Voilà, merci beaucoup pour ces informations très, très instructives. J'avais une question, c'était concernant la partie présentée par Monsieur Cloquet, je pense, sur la réduction des risques au niveau des différentes barrettes. Si j'ai bien compris, mais comme il y avait beaucoup de matière, ça a été très vite, je n'ai peut-être pas bien saisi, le port du masque par tout le monde est plus efficace pour réduire les risques qu'une ventilation, c'est ça ? Donc, c'était ça ma question, une première question, si j'avais bien compris l'interprétation des graphiques. Deuxième question, je me posais si parmi des collègues qui seraient là aujourd'hui de la ville de Bruxelles, s'il y avait des gens de notre centrale d'achat. Parce qu'en effet, je me suis posé la même question que M. Lambert, quid des achats, notamment pour la ville de Bruxelles. Est-ce qu'il y a des gens de la centrale d'achat de la ville qui sont présents, ou est-ce que c'est notre SICPPT qui va faire le... Voilà. Donc, c'est une question sur la première question, l'ensemble des acteurs de la ville de Bruxelles ont été invités, donc je n'ai pas su voir si la centrale d'achat est présente parmi nous. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, s'il y a des choses qui doivent se faire, des commandes groupées qui doivent se faire, c'est inévitablement via notre centrale d'achat qui est la mieux à même à la fois de prendre en compte l'aspect marché public, et la technologie et les infos lui seront communiquées évidemment par les techniciens avec qui nous fréquentons pratiquement quotidiennement au sein de la ville ou en dehors de la ville. Voilà, alors je vois également M. Christophe Samin. Peut-être. Bonjour. Oui. Est-ce qu'on peut répondre à ma question ? Oui. Ah voilà, merci. Oui, voilà, rapidement. Donc effectivement, dans le cas précis qui était mentionné,
C'était le gagnant, si vous voulez, était le port du masque. Maintenant, c'est un modèle qui comporte les différents paramètres et ça va chaque fois dépendre de la situation. Ça va dépendre de la situation, du temps passé, de si les personnes parlent fort ou pas, du type d'activité, etc. Et donc, si vous voulez utiliser le modèle, il faut chaque fois refaire l'analyse pour chaque situation, chaque lieu ou chaque événement. Et ce n'est pas forcément le masque qui va nécessairement surpasser la ventilation. Parfois, ils vont être plus à égalité, sachant également que le masque, comme on l'a dit, stoppe les grosses gouttelettes et que ce point-là n'est pas pris en compte dans le modèle. Ici, on se concentre uniquement sur l'aérosol. Maintenant, moi, je voudrais faire un commentaire sur le masque. On m'entend, oui? Oui, oui. Mais il y a masque et masque. Hein, donc, quand on regarde bien les gens qui mettent des masques, il y a beaucoup de masques qui sont en tissu. Donc, les masques en tissu ont une efficacité qui est quand même un tiers moins bonne que les masques chirurgicaux. Et puis, les masques doivent être quand même des masques qui ne traînent pas dans la poche ou sur la table et qui sont encore de bonne qualité. Et en plus, ils doivent être bien homogènement mis sur le visage. Il y a beaucoup de gens qui se promènent avec des masques qui baillent. Et donc, la transmission, ce masque-là arrêtera les grosses gouttelettes, il n'arrêtera pas les fines gouttelettes qui passeront dans les interstices au niveau entre la joue et le masque ou entre le nez et le masque. Donc, c'est très, très important si on mise sur un masque en l'absence de ventilation, hein, c'est bien de ça qu'on dit, si on mise sur un masque en l'absence de ventilation, il faut que ce soit un masque qui soit de bonne qualité et qui soit bien mis. C'est très, très important. Et moi, je suis frappé quand je vois l'épidémie en Inde actuellement, rien que voir sur les photos, vous voyez ces familles qui entourent quelqu'un qui a perdu un proche, ils sont tous très affligés, ils posent des masques. Et quand vous regardez la photo, ils portent tous des masques en tissu qui sont à moitié mis, qui tombent du nez et qui sont dans une pièce fermée. Ça, c'est le fuel de l'épidémie. Hein. Enfin, je veux dire, c'est comme ça que la transmission prend une allure explosive. Donc, il faut bien faire attention de quoi on parle quand on parle de masque. Oui, tout à fait. Et pour rajouter quelque chose, c'est quelque chose que vous pouvez modéliser. Donc, c'est un des critères du calculateur ou des calculateurs. Vous avez des liens vers deux calculateurs différents. Vous pouvez indiquer la qualité du masque. S'agit-il d'un masque grand public? Est-il bien ajusté ou pas? Vous pouvez le préciser. Et donc, ici, dans la modélisation, c'était avec un masque chirurgical bien ajusté. Voilà, je me permets d'intervenir pour qu'on n'oublie pas les questions par chat. Alors, je vous propose peut-être de lire la question de Marie-Charlotte Cope qui demande si on connaît des solutions pour ventiler des petits espaces sans fenêtres, comme un salon de beauté. Elle nous dit qu'on voit beaucoup de solutions qui ne paraissent pas très efficaces. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite répondre à cette question. Et moi, je peux essayer de répondre. C'est évidemment difficile de donner une réponse complètement générale. Ça va dépendre très fort du cas par cas, de la taille du bâtiment, du nombre de pièces à ventiler, etc. J'ai montré un certain nombre de solutions décentralisées tout à l'heure. Il y en a des plus petites aussi pour des plus petits espaces. Le mieux, c'est de faire appel à des professionnels du secteur de la ventilation et de voir ce qui est possible. C'est difficile de donner une réponse générale. Bien, ok. Donc, on va peut-être encore passer une deuxième question sur le chat et puis je reviens au… Très bien. On a par exemple Christophe de Rennes, qui est restaurateur au centre-ville. Il nous dit, si je comprends bien, la purification de l'air EPA ou HEPA en complément de la ventilation suffit, car ce qui nous importe, ce sont les aérosols. Les UVC et plasma froid visent à une activation de tas de choses qui nous importent peu ici. Est-ce bien exact? Alors, qui recadre la réponse? Moi, je peux donner un complément. Donc, je ne suis pas spécialiste des systèmes de purification par inactivation, mais ce n'est pas tout à fait correct ce qui est formulé dans la question. Donc, le principe de purification par inactivation ne retient pas les aérosols, mais le but, c'est d'inactiver dans ce cas-ci le virus. Donc, ces techniques ont quand même un effet, effectivement, sur le virus également, même si le mécanisme d'action est différent. OK. Donc, je reviens au débat. Et j'avais dit, Monsieur Christophe Samin, je vous en prie.
Voilà. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, voilà. Donc, nous travaillons depuis le début de cette pandémie avec un groupe d'experts sur les événements plus institutionnels et j'avais trois interventions que j'aurais voulu faire. La première, c'est que beaucoup d'organisateurs d'événements sont demandeurs de solutions pour pouvoir accueillir de manière sécurisée, j'ai envie de dire, les personnes. Mais les approches technologiques, donc la ventilation, je veux dire, grâce à Christophe Cloquet, grâce à d'autres, je pense que maintenant c'est assimilé. Est-ce qu'on a une capacité de renouveler l'air, oui ou non, quelle est l'efficacité, tout ça c'est bon. Par contre, par rapport aux technologies qui permettent d'assainir l'air, là ça reste encore très très flou. Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. J'ai bien entendu et j'ai bien aimé l'intervention de M. Caillou qui disait attention, c'est toujours une réduction qui peut être drastique du risque, mais le risque existera toujours. Et je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde doit comprendre aussi. C'est de dire que l'annuler, c'est très illusoire. Mais dans ces technologies, il y a déjà des gens qui ont investi dedans. Et qui, au jour d'aujourd'hui, ont cette question de dire, finalement, est-ce que j'ai investi pour rien, puisque j'entends que tel ministre ou tel responsable dit maintenant que c'est tout à fait interdit. Et donc là, je pense que c'est vraiment utile pour les secteurs d'avoir de la clarté par rapport à, peut-être pas des marques, mais en tout cas, quelle technologie est autorisée, avec quelle efficacité à côté, et quelle technologie ne l'est pas. Pour éviter d'avoir des gens justement qui dépensent des fortunes dans des technologies qui soit seront carrément interdites, soit ne serviront strictement à rien du tout. Ça, c'était la première partie. La deuxième, c'était par rapport au label. Nous avons eu des réunions dans nos travaux depuis un an avec différentes instances, dont Visite Brussels, qui eux-mêmes labellisent déjà depuis l'an dernier sur un label Health. Brussels Health, je ne connais plus le nom exact, des endroits comme étant Covid safe. Est-ce qu'on ne va pas ils l'ont présenté, ils nous l'ont dit. Et on a tiré leur attention sur les travaux qui étaient faits justement par l'équipe de M. Claus, Klumek et des autres experts qui travaillaient dans l'équipe, c'est de dire, mais est-ce qu'on ne va pas arriver à un certain moment à une surlabellisation où un label va surpasser un autre label, qui va outrepasser un troisième label. Donc, comment est-ce qu'on va gérer à un certain moment pour que ça reste audible aux oreilles de tout le monde et surtout, je veux dire, dans notre cas, des prescripteurs d'événements qui se disent, OK, tel label a telle validation scientifique ou assure tels moyens qui sont mis en œuvre, tel autre label est, j'ai envie de dire, plus... commercial pour vendre une destination que d'autres, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une question qu'on a, c'est de dire, OK, beaucoup, et c'est une bonne chose, entendre parler des études qui sont faites par la ville de Bruxelles, et beaucoup sont en attente justement de ces résultats, mais sont aussi perspicaces par rapport au fait de dire, oh, mais attention, moi j'ai déjà été labellisé, donc ils ne vont pas m'emmerder deux fois, encore nous faire labelliser autre chose, parce que ça ne va plus fonctionner. Et la troisième chose, c'était aussi toutes les réalités scientifiques que vous donnez sont incontestables. Et de toute façon, qui suis-je pour les contester? Je n'ai pas le savoir pour les contester. Par contre, il y a aussi des réalités économiques derrière qu'il faut bien prendre en compte. C'est que mettre aux normes des endroits, mettre aux normes des centres de séminaires, des restaurants ou autres, ça va avoir il va falloir dégager de la trésorerie. Et au jour d'aujourd'hui, le conditionnement de reprendre des activités à la capacité de trésorerie, est-ce que ce n'est pas un peu illusoire? Parce que ces secteurs sont au jour d'aujourd'hui, à moins qu'il y ait des financements régionaux, locaux ou fédéraux pour mettre ces endroits aux normes, ça risque d'être compliqué pour bonne partie de ces acteurs économiques. Donc voilà, c'était ces labels, un peu de clarté sur les technologies pour peu que ce soit faisable. Et alors, la problématique des coûts, ça, j'ai envie de dire, c'est plus un avis personnel sur le fait de dire, je pense que c'est tout à fait juste scientifiquement ce que vous dites. Après, il y a la réalité économique derrière qui est de dire, est-ce que lier la capacité de continuer à exploiter une activité économique à la capacité d'investir dans une technologie avec des portefeuilles vides au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est raisonnable? Moi, je voudrais intervenir. Je peux?
T'en prie. Moi, je voudrais intervenir sur la notion de risque. Donc, M. Samin a tout à fait raison d'insister là-dessus sur le fait que le risque zéro n'existe pas. Je crois que c'est une notion importante. Hein. Le risque est un risque relatif. Lorsqu'on met une ceinture de sécurité, on se protège d'un accident, mais il y a malgré ça des gens qui meurent dans un accident de voiture. Mais c'est souvent associé à des vitesses excessives, à des imprudences, etc. Donc, nous, ce qu'on veut couvrir, c'est le côté vitesse excessive et imprudence, si je reste dans ma métaphore. Mais si on roule normalement et en ville et ailleurs avec une ceinture de sécurité, il y en a quand même qui font des accidents. Et ça, c'est le risque relatif qui devient très, très faible. Et donc, les mesures qu'on met en place, c'est avoir un objectif de risque relatif faible. Maintenant, il y a des circonstances où c'est difficile d'être sûr du risque. Et c'est là qu'intervient quelque chose qu'il n'y avait pas l'année passée, qui est la vaccination. Nous allons vers une population de plus en plus vaccinée. Et c'est tout à fait spectaculaire de voir la chute dans les hôpitaux du nombre de patients qui passent maintenant en soins intensifs, qui sont hospitalisés, qui sont malades. On sait maintenant au niveau mondial, alors qu'au début, il y avait encore des interrogations qui ont alimenté les doutes de certains et les discours des anti-vaccins. Au début, on n'avait pas ces certitudes, mais maintenant, nous savons que le vaccin protège. Bon, on va m'objecter, oui, mais il y a le problème des variants. Ce qui est vrai, mais pour l'instant, les variants sont contrôlés par les vaccins. Je ferme la parenthèse. Donc, il va y avoir une vaccination, il ne faut pas oublier non plus qu'un million de Belges ont fait la maladie et ils ont des anticorps. Et au début aussi, on se demandait quelle était la protection de ces anticorps. Maintenant, nous savons que plus de 7 à 8 mois après, ces anticorps sont un tout petit peu moins efficaces que les vaccins, mais qui sont quand même efficaces. Donc, vous allez avoir des populations mixtes qui vont se rendre dans les lieux. Et donc, le restaurant qui n'a pas les conditions les plus optimales, eh bien, il devra jouer sur la distanciation et peut-être aussi sur ces fameux plexiglas qui quand même arrêtent les grosses gouttelettes. Donc, dans les conditions qui ne sont pas optimales, il faudra jouer sur la distanciation. Maintenant, je pense à un secteur qui est très en difficulté, qui est le secteur de la nuit, des événements. J'ai eu une discussion très constructive avec eux et ils le reconnaissent eux-mêmes. C'est très, très difficile quand vous avez une salle d'un événement la nuit avec des personnes qui sont collées les unes aux autres, etc. Et la ventilation n'est pas optimale. Donc, dans ces conditions-là, on peut imaginer, en attendant que le taux de vaccination soit suffisant, en attendant un éventuel certificat de vaccination, un certificat COVID tel qu'il est discuté au niveau de l'Europe, et je ne vais pas me lancer là-dedans maintenant, en attendant ça, il y a la possibilité de faire des tests rapides. Il y a eu même une discussion avec l'échevin de la culture de la ville, Madame Houba, qui disait on pourrait imaginer pour les lieux de la nuit d'avoir des endroits où les gens peuvent aller faire un test la veille ou quelques heures avant d'aller à une sortie et ils reçoivent la preuve qu'ils ont reçu ce test, etc. Donc, il y a des mesures complémentaires. On est moins démunis aujourd'hui et je pense qu'il faut voir la ventilation, la désinfection comme une des mesures associées à d'autres mesures, dont la vaccination, dont les antigènes, tests rapides et autres. Donc, et pas de panique, je ne crois pas non plus que quand je parle d'investissement, l'idée n'est pas de tout de suite faire des choses massives, mais penser aux nouveaux bâtiments qui se construisent. Actuellement, dans ces nouveaux bâtiments, le problème de la ventilation, c'était plutôt d'empêcher que le froid rentre et que le bâtiment soit parfaitement isolé. Donc, il peut y avoir des réflexions sur les nouveaux bâtiments. Si on revient aux investissements lourds, à l'époque où il y avait le choléra en ville, à Bruxelles, le bourgmestre Adolf Max a pris la décision de donner de l'eau courante, des égouts et de couvrir la Seine. Ça ne s'est pas fait en une semaine, ça ne s'est pas fait en un jour. Il y a eu des discussions sur les investissements, ça a pris des années. Ce qu'on est en train de parler maintenant, c'est un changement de perception d'un risque. Et donc, je voudrais vous rappeler que j'ai parlé des maladies produites par l'eau, des maladies produites par la nourriture. Et maintenant, on se dit, les maladies produites par l'air, eh bien, on veut les contrôler. Et c'est cette mentalité-là qu'il faut mettre en place sans se sentir aux abois, stigmatisé, écrasé de normes et de vérifications et empêché de travailler. En tout cas, ce n'est pas l'idée. Merci Nathan de cette précision bien utile. Et donc, pour revenir à l'interpellation ou aux questions très pertinentes
de M. Samin. Voilà, quelles technologies en termes de purification seront autorisées ou non? Mais il y a un arrêté royal qui vient de sortir, mais je ne sais pas s'il est déjà paru à la signature de Frank van den Broek, qui énonce toute une série de systèmes de purification d'air qui seront autorisés. Et là, ça va peut-être faire grincer des dents d'autres systèmes qui ne le seront pas. Donc, et il est précisé que c'est un arrêté qui sera évidemment évolutif. C'est une première chose, c'est un aspect. Bon, il arrive, certains diront qu'il arrive trop tard, mais aujourd'hui, il a le mérite d'exister. Donc, il y a déjà une première clarification qui se fait, mais, même si certains pourront regretter qu'ils se sont déjà hâtivement équipés de systèmes qui ne seront peut-être pas tout de suite autorisés ou pas autorisés du tout. La deuxième question sur les labels. Mais oui, chacun peut s'auto-proclamer label safe, évidemment, COVID safe, évidemment. Mais à un moment, un label doit recevoir une consécration d'une autorité publique. Quant à savoir qui contrôle ce label, je ne sais pas, je vais reprendre l'exemple de l'isolation dans les bâtiments, ce qu'on appelle les certificats PEB. Mais l'autorité publique a défini ce que c'était et ce sont des bureaux agréés qui viennent délivrer un certificat PEB pour un acheteur ou un locataire potentiel d'un immeuble. Donc, je pense que ce sera à terme aussi la même logique. Et vous posez à juste titre aussi la question que se posent pas mal d'opérateurs économiques, M. Samin, sur voilà, la trésorerie est faible, comment faire? Alors, on ne peut pas s'empêcher de mettre en balance aujourd'hui les millions d'euros, à juste titre, qui ont été dépensés en matière d'aide passerelle ou qui ont été des défiscalisations, des prêts suspendus, etc., pour aider un maximum les opérateurs économiques. On peut aussi se dire que dès lors où le système sera suspendu et remplacé par d'autres choses, que l'on pourrait imaginer qu'il y ait des aides d'État sur des investissements, dès lors qu'ils sont des investissements durables. Et je pense que tout le monde pourrait s'y retrouver, mais ce n'est qu'une proposition à titre personnel. Alors, je vois qu'il y avait M. Jordan Green. J'ai une question dans le chat de Catherine Verhoeven. CO2-meting enkel in de ruimte van de aanwezigen of kan het ook gemeten worden ter hoogte van de recuperatielucht? Wat is de beste plaats om de CO2 te meten in een eventruimte? Donc pour la mesure du CO2, est-ce que c'est uniquement dans des pièces avec des personnes présentes ou il peut également être mesuré au niveau de l'air récupéré? Quel est le meilleur endroit pour mesurer le CO2 dans un espace événementiel? Merci. Alors, Christophe, oui. ou professeur Parente, je ne sais pas qui souhaite répondre. Oui, moi je peux répondre. Donc, il y a des recommandations dans un document complémentaire de la Task Force Ventilation sur la mesure CO2 sur le placement des capteurs. J'ai mis le lien de cette page dans le chat. Merci beaucoup. Autre précision sur les lieux de placement, est-ce qu'il faut avoir des gens en pratique pour mesurer le taux de CO2? Non. Bien sûr, on fait des simulations et c'est ce qu'on est en train de faire dans différents locaux pour l'instant. C'est-à-dire que le taux de CO2 est intrinsèquement lié à la présence de gens, justement. Donc, s'il y a personne, vous allez avoir un taux de CO2 après un certain temps qui va se rapprocher de plus en plus du CO2 extérieur et ça n'a pas d'intérêt à ce moment-là de le mesurer. Maintenant, la question de mesurer, et contredisez-moi Samuel ou Alessandro, si ce n'est pas correct, la question de mesurer le CO2 dans le retour d'air, dans l'extraction d'air, là, vous allez mesurer un taux moyen pour l'ensemble du volume qui, éventuellement, ne tiendra pas compte de spécificités locales d'endroits dans la salle qui seront moins bien ventilées. Donc, l'idée… Alors, je ne connais pas malheureusement le contenu de la note, mais une bonne pratique, c'est de mesurer le CO2 là où les personnes sont présentes et éventuellement si l'espace est grand à différents endroits et à la hauteur ou dans la zone où les personnes respirent. Ceci dit, avec une certaine distance pour éviter que l'expiration d'une personne arrive directement sur le capteur. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, les mesures qui viennent d'être dites sont tout à fait bien. Effectivement, dans un local plus grand, il y a des risques de non-homogénéité et donc la nécessité éventuellement d'avoir plusieurs capteurs. Dans un local plus petit, ça peut avoir du sens de mesurer directement dans l'extraction parce que là, on est peut-être dans un meilleur mélange en présence de ventilation.
Bien, merci. Je vois mon écran qui s'agite comme un lunapark, donc il y a effectivement beaucoup de demandes d'intervention et j'en suis ravi. Il y a M. Greenwood qui attendait depuis un petit temps. Vous avez la parole, M. Greenwood. Oui, bonjour, merci. Merci aux intervenants. La conférence, c'était beaucoup d'informations et très claires, donc merci. Ma question a deux volets, une plutôt pratique. Si elle semble assez ciblée, je pense que nombreux sont parmi les intervenants, dans mon cas, c'est-à-dire exploitants d'un lieu horeca, restaurant, et peut-être, je pense que c'est une question qu'on a tous. Deux petites parties. D'abord, est-ce que la présence d'une hôte professionnelle qui est normalement requise dans ce genre d'exploitation, j'imagine, peut faire office d'un instrument de ventilation vu qu'il aspire plusieurs milliers de mètres cubes par heure et si cet air est aspiré, il doit rentrer aussi, j'imagine. Et on gère déjà les différences thermiques, etc., en hiver, mais je comprends que c'est une question qui peut être soulevée. Et deuxièmement, qu'en est-il par rapport à cette idée de ventilation et de mouvement d'air, par rapport au plexi dont certains d'entre nous ont investi des centaines ou des milliers d'euros pour, voilà, peut-être se prévenir dans un premier temps, est-ce que ça joue encore, est-ce que c'est efficace, est-ce que ça empêche justement la circulation, peut-être que c'est contre-indiqué. Donc ça c'était le volet pratique. Et la deuxième s'adresse plutôt à la ville de Bruxelles par rapport à cet arrêté royal ou ministériel que je n'ai pas encore lu. Est-ce que va s'en suivre une série de recommandations ou d'obligations ça ce n'est pas encore clair pour moi, en tout cas pour moi ça n'est pas. Merci. Donc, il y a une question en deux volets. Donc, la première question sur les hôtes aspirantes dans les restaurants. Est-ce que oui, là, je peux en dire un mot. Donc, c'est clair que dans ce cas-là, on pourrait effectivement avoir un système de ventilation qui fonctionne bien sur base de la hôte. Tout dépend évidemment par où rentre l'air. Évidemment, en pratique, on pourrait imaginer commencer par une mesure de CO2 en présence de personnes dans un tel cas pour bien confirmer que le débit important de la hotte est suffisant pour ventiler aussi la partie où il y a des personnes. Ça peut marcher en tout cas. Oui. Merci Samuel. Et donc, concernant la question également de M. Greenwood sur les plexiglas de séparation, est-ce que ça sera utile, pas utile, compte tenu des connaissances que nous avons en matière d'aérosol aujourd'hui? Tic-tac, tic-tac. Par rapport au plexiglas, moi, je pense qu'il y a une précision aussi fluide dynamique qui doit être faite. En fait, c'est un système qui peut marcher, mais ça pourrait même déterminer des situations qui s'empirent. Parce que vous pouvez avoir, en fait, de l'air qui recircule et qui, en fait, va stagner au-delà, en fait, de la paroi de plexiglas. Et donc, vous allez générer des situations où peut-être la concentration d'un polluant va être encore plus élevée parce qu'elle va s'accumuler. Donc, en fait, il faut... Et ça, il n'y a pas une réponse... Ce n'est pas possible de donner une réponse universelle. Parce que ça dépend des conditions de ventilation, circulation d'air. Mais c'est connu, en fait, qu'après un obstacle, il y a une formation d'une zone de recirculation dans les écoulements. Et donc ça peut être un vortex qui rentre, qui reste contraint et qui n'arrive pas à s'échapper. Oui, donc je crois qu'on a mis les plexiglas au moment de la réouverture des restaurants, mais ça correspondait aussi à une époque où la crainte était surtout les macro-gouttelettes, pour les qualifier comme ça, sans vraiment tenir compte des aérosols. Donc voilà, je crois qu'il faut être honnête et dire qu'on n'a pas de réponse définitive par rapport à tout cela. Et je comprends. C'est ça que je voulais dire. Le désarroi de certains opérateurs qui aujourd'hui ne savent plus à quel sens. Quand même rappeler. Si je peux intervenir, il faut peut-être rappeler quand même que donc le plexiglas avait pour but d'intercepter plutôt les grosses gouttelettes à courte distance, pour laquelle la ventilation n'a que peu d'effet. Hein. Donc, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais donc, la ventilation ne va quand même pas résoudre, je pense qu'on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, hein, mais ne va pas résoudre la transmission des grosses gouttelettes à courte distance, pour laquelle les masques type chirurgicaux ou les plexiglas ou la distance sont nécessaires. Voilà. Merci. Alors, on va revenir tout à l'heure, mais voilà, j'en vois qui rentrent par la porte et par la fenêtre, ce qui est un bon moyen d'aérer. Donc, il y en a qui sont sur le chat et qui sont également dans les intervenants. Donc, je vois Lot Protect, mais je ne vois pas le nom. C'est Monsieur Hervé. Hervé Lagache. Voilà. Oui. Bonjour, merci de me donner la parole et merci pour ces explications.
Très intéressant. Mais c'est vrai que je pense à toute une partie de votre audience qui est quand même très loin de la capacité à pouvoir utiliser les systèmes de filtration EPA. Et voilà, l'économie est quand même maillée de petites entreprises qui sont dans un bâtiment existant, qui ne vont pas pouvoir adapter facilement. Donc voilà, simplement pour dire, on a parlé beaucoup de filtration et on n'a pas parlé de l'inactivation du virus par les UVC notamment. Et donc l'Hot Protect, voilà, nous on respecte a priori les critères de l'arrêté ministériel. Simplement pour dire, nous il suffit d'une prise, c'est une lampe qu'on dépose dans des locaux comme une salle d'attente, comme un restaurant, comme une caisse, comme on équipe des pharmacies, des magasins, des petits commerces, voilà, qui ne sont pas toujours à même de pouvoir installer des systèmes de filtration plus complexes. Et simplement pour dire que ça serait peut-être intéressant aussi qu'on puisse partager peut-être à l'audience, et c'est pour ça que je demandais si on pouvait faire circuler des emails. Maintenant, je sais que le GDPR, on est souvent limité dans ces choses-là, mais voilà, sachez juste que il y a des solutions simples à mettre en œuvre qui nécessitent uniquement une prise et qui sont faciles à intégrer de manière esthétique. Et nous on a simple notre technologie qui est brevetée, qui équipe le comité scientifique COVID-19 présidé par Macron en France. C'est simplement un luminaire sur lequel on a ajouté un tunnel armé d'UVC, et donc sans rayonnement direct pour les personnes, donc sous un danger, et on crée une circulation d'air et l'air va venir se purifier. Donc évidemment, comme tous les systèmes de purification, on n'élimine pas le Covid dans toute la pièce à 99%, mais on le fait au bout d'une heure, et en fonction des modèles, on va jusqu'à 360 m3 par heure. On diminue évidemment la charge virale et ça va très vite. En près d'un quart d'heure, on diminue déjà très fortement la charge virale et après une heure, on est à 99%. On a été testé spécifiquement SARS-CoV-2. Donc voilà, c'est une solution très simple à mettre en œuvre à partir de 900 euros. Donc c'est voilà, je pense qu'il faut aussi parler de ça parce que je pense que l'audience, et c'est pas que pour faire ma pub que je dis ça, c'est je pense que dans l'audience il y a plein de petits restaurateurs de l'Horeca. Nous on a équipé un premier hôtel à Bruxelles qui est ravi, c'est très simple à mettre en œuvre. Voilà, je pense qu'il faut souligner aussi que des solutions, d'autres types de solutions qui rendent dans le cadre d'arrêté fonctionnent. Voilà, merci pour ce témoignage, monsieur. Donc voilà, vous offrez des solutions pour des petits locaux, si je comprends bien. Et donc je vous remercie d'avoir souligné votre capacité à le faire. Je vois Aziza Bellemou. Oui, je vous en prie. Alors, avant que Madame Bellemou prenne la parole, je voulais tout simplement rappeler qu'on a un petit peu dépassé le temps. Et donc, si c'est possible, de faire en sorte que les interventions soient les plus concises possibles. Comme ça, on peut encore donner la parole à quelques personnes. Et voilà. Madame Aziza, vous avez la parole. Oui, bonjour. Je travaille à la régie foncière de la ville de Bruxelles et on s'occupe, enfin, dans notre service maintenance, on s'occupe justement de la rénovation d'un certain nombre de bâtiments. Et moi, j'avais une question particulière parce que si j'ai bien compris, dites-le-moi si je me trompe, mais si j'ai bien compris, dans tout ce qui est grands locaux, du type aujourd'hui, on doit rénover partiellement le cirque royal de Bruxelles. On est censé d'abord mesurer, donc faire entrer le public de nouveau, parce qu'aujourd'hui il est fermé le cirque royal. Ensuite, mesurer le taux de CO2 dans les zones qui, d'après nous, sont, on suppose, une plus forte émission. Puis ensuite, déterminer la technique qui correspondra, sachant que dans ces calculs, enfin dans les logiciels qui nous permettent de faire ces simulations, on prend en compte le port du masque qui a un aspect premièrement aléatoire, parce que comme on l'a très bien dit, il y a un aspect propreté, masque en tissu, port non adéquat, etc., etc. Et en plus, il y a un fort aspect psychologique qui fait que, voilà, on sait pertinemment aujourd'hui que une grande majorité de la population en a plus que marre et petit à petit, cette population commence à ne plus porter ce masque. Donc si je résume, dites-moi encore une fois si j'ai bien compris, on doit d'abord faire réentrer le public, prendre les mesures, prendre en compte un facteur qui potentiellement n'est pas vraiment envisageable sur le très long terme, et enfin choisir la solution technique qui correspond, sachant que cette solution technique ne pourra pas traiter les grosses gouttelettes parce que la ventilation et les systèmes de purification ne peuvent pas le permettre. C'est bien ça ou... Oui, on est là, je vais demander que l'on tienne compte de la communication d'Aziza, parce que, d'Alia, pardon,
parce qu'on est un peu débordé, et tant mieux si on a, si ça attire beaucoup de questions et d'interpellations, mais on ne saura pas répondre à tout le monde. Donc, je vais demander peut-être que les cas particuliers, on puisse, le cas échéant, les traiter en B2B, et notamment celle du Cirque Royal qui est bien connue dans la maison, qui est bien connue par Nathan Klumek et par Christophe Cloquet. Donc, sauf s'ils veulent intervenir dès à présent, je propose sinon que cette question soit traitée par la suite. Christophe, je t'en prie. Rapidement, on va pas aller effectivement dans le cas particulier, juste pour dire qu'une pré-analyse peut être faite. Effectivement, Samuel Caillou a montré des appareils qui permettaient de mesurer des débits, mais également des méthodes qui permettent de mesurer le nombre de volumes qui sont changés par heure. Donc, il y a moyen de faire toute une analyse, effectivement, a priori, évidemment, avant que le public ne rentre dans la salle. Voilà, merci. Il y a Madame Cali Cronen qui attendait patiemment aussi. Je vous donne la parole. Si vous êtes encore là, voilà, je vous en prie. Voilà, bonjour à tous, merci beaucoup. Nous sommes un théâtre qui accueille des enfants, des adolescents et des... La montagne magique, c'est ça, hein ? La montagne magique. J'aurais voulu savoir, sachant que les enfants ne portent pas de masque jusqu'à 12 ans, si les risques étaient accrus. Qui se prononce là-dessus ? C'est un problème qui est... Voilà, attends, je t'attendais. Donc les enfants peuvent être porteurs du virus. Donc, il n'est pas question d'avoir un risque accru. Il y a un risque relatif lié à la présence d'enfants qui peuvent être porteurs du virus. Ils sont souvent des porteurs asymptomatiques. S'il n'y a pas de masque dans la salle de spectacle, il risque, s'il n'y a pas une bonne ventilation, il risque d'infecter, même si ce risque est faible, hein, parce que j'imagine que vos enfants ne vont pas crier, enfin, bien qu'un spectacle de marionnettes, ils vont peut-être crier de joie. Donc, je pense qu'il faudrait quand même peut-être réfléchir à un appareil un appareil dans la salle qui permettrait quelque part de contrôler, de stériliser ou de désinfecter l'air si vous ne pouvez pas mettre de la ventilation. Ou bien alors l'alternative, c'est que les adultes se protègent de ces enfants en mettant un masque. Donc si les adultes ont un masque, même si les enfants sont infectés, eh bien les adultes seront protégés. Donc c'est ça. Ou bien vous laissez tout le monde sans masque et vous mettez la ventilation et la désinfection, ou bien vous demandez aux adultes de mettre un masque, et donc si jamais il y a un ou deux ou trois enfants infectés, il n'y aura pas de problème. Voilà, merci Nathan, merci Madame. Voilà, donc c'est une toute belle institution de la ville de Bruxelles que vous représentez ici, Madame Cronen. Donc s'il y a d'autres aspects, on peut effectivement les traiter séparément et vous aider en manière telle d'optimiser la ventilation dans les lieux. Je vois monsieur Christophe de Rennes qui attend patiemment aussi. Je vous en prie, monsieur. Monsieur Christophe de Rennes. Voilà. Oui, voilà, merci pour votre initiative orientée approche réduction des risques. Trois choses. Un, j'ai quand même beaucoup de craintes sur le processus de labellisation COVID-safe. Donc moi, j'appelle la ville de Bruxelles à être particulièrement attentive à ce que il y ait sur la région bruxelloise, pour l'ensemble des secteurs, même si le territoire n'est pas le même, mais qu'elle agisse pour qu'il y ait un seul et même processus de certification du label COVID-safe, sinon ça va partir dans tous les sens. Deux, ma question c'est, avez-vous des résultats de tests dans l'ORECA? Parce que nous, avant le 9 juin, on ne peut pas faire de tests in situ, puisqu'on ne peut pas faire rentrer de monde à l'intérieur. Or, par exemple, les vendeurs de matériel de détection CO2 nous disent que les normes édictées par le Conseil supérieur de la santé, hein, 800 ppm, voire si possible 400 ppm comme en extérieur, sont irréalistes. Alors, il faut évidemment le voir en situation, mais pour ça, il faut tester avec du monde à l'intérieur durant plusieurs heures. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Or, manifestement, le roi d'Espagne, Léon, etc., ont été dans une phase de test chez vous. Est-ce que vous avez déjà des résultats? Ça nous intéresserait vachement. Troisième chose, en termes de purification, donc on voit bien, il y a des processus
d'inactivation et des processus de filtration. Qu'est-ce qui peut nous aider à faire le choix en termes d'efficacité et puis aussi de coût, puisque ce sera, c'est quand même nettement plus cher que le reste. Moi, je me disais, ce que j'avais posé comme question dans le chat, après tout, la filtration est suffisante pour nous puisqu'on vise des aérosols. On ne doit pas nécessairement aller vers les UV qui permettent tout, mais beaucoup plus encore que la simple filtration. Et peut-être que la filtration sont des dispositifs moins chers, je n'en sais rien à ce stade. Et enfin, en matière d'achats groupés, je comprends bien que la ville de Bruxelles dise on va faire des achats groupés pour les nôtres. Mais si vous avez avec votre centrale d'achat une expérience que vous mettez en œuvre pour des achats groupés, je suggère que vous mettiez votre expérience à disposition, je ne sais pas moi, d'autres acteurs comme la Fédération Horeca ou d'autres, pour nous aider, nous, hein, les gens des secteurs privés, à rentrer dans des dispositifs d'achat groupé pour réduire nos coûts. Merci. Voilà. Merci, monsieur de Rennes. On ne peut que partager votre point de vue. On ne souhaite pas qu'il y ait une multiplication de labels COVID-safe. Et donc, il est évident que nous privilégions la méthode que l'on a mise en œuvre progressivement, mais que nous sommes en train de tester, à savoir la gestion du risque et d'un risque différencié selon les lieux et non pas selon les secteurs. Mais il est évident qu'on défendra ce point de vue, mais voilà, nous ne sommes pas le monde entier non plus. Les tests Horeca dont vous parlez, on ne va pas parler ici maintenant de cas particuliers. Je pense que c'est des choses, vous comprendrez, qu'on doit régler en face à face avec les restaurateurs. Je vois qu'un d'entre eux a d'ailleurs posé une des questions. Pourquoi a-t-on choisi ces restaurants-là, non pas par favoritisme, mais parce que ce sont des propriétés de la ville, et donc il nous a semblé plus simple d'aborder des restaurants qui étaient propriétés de la ville de Bruxelles, que d'aller indistinctement frapper à l'une ou l'autre porte. Alors voilà, l'autre question que vous posez, elle est tout à fait légitime sur la question des achats groupés. Maintenant, comme pouvoir public, on ne peut pas nous donner d'indications de firmes ou autres, mais je pense qu'il n'est pas impossible de réfléchir aux résultats de nos supputations et de nos investigations en matière de processus plutôt que de firme, s'il est évident, comme l'a dit tout à l'heure, qu'à un moment, la centrale d'achat et les centrales d'achat vont devoir s'en préoccuper pour leurs propres infrastructures. Il n'est pas interdit de penser qu'on peut partager effectivement ces expériences. Vous avez tout à fait raison. Voilà, alors je vois Monsieur Stéphane Van Oudgaarden. Et puis nous sommes déjà 10:30, donc je vais demander de hâter les prises de parole, s'il vous plaît. Et puis, on va devoir clôturer en creusant peut-être certaines frustrations. Monsieur Van Oudgaarden. Oui, bonjour. Donc, je pense que c'est un vous. Je ne vous vois pas, mais je vous devine. Oui, je m'excuse. Je n'ai pas ma caméra qui est active, hélas. Donc, voilà. Donc, je pense que certains d'entre vous savent que j'ai adressé donc, à la ville de Bruxelles en janvier une note complète sur un ensemble de technologies et sur la nécessité qu'on estimait de devoir analyser quasiment chaque espace avec des ingénieurs en ventilation et de délivrer un label. Donc, on vient d'annoncer il y a 15 jours donc, un projet de label qui est un des rares qui combine les comportements et la ventilation, parce que la plupart des labels dont on parle aujourd'hui, celui par exemple de la ville de Bruxelles actuelle, n'intègre pas la notion de ventilation ou de filtration de l'air. Et donc, c'était juste une invitation à la réflexion sur deux points sur ce label. Donc, on a déterminé les niveaux de ce qu'on appelle les étoiles, donc les niveaux de qualité de ventilation, de filtration, de une, deux ou trois étoiles avec un groupe d'experts. Et c'est une invitation à rentrer dans la réflexion, de savoir si ce label peut servir de base ou en tout cas si on peut l'affiner. Donc, ça, c'est une première chose. Le deuxième, c'est qu'il est simple. La plupart des labels qu'on trouve sont très compliqués. Ils arrivent peut-être sur un score, mais on ne sait pas à quoi, en tout cas, ils se réfèrent. Et on estimait qu'un label devait être simple à comprendre, devait en tout cas valider qu'une technologie était agréée. Donc ça, c'est le cas aujourd'hui de ce qui se passe avec ce nouvel arrêté ou décret ministériel. Et surtout, que l'équipement et la façon dont les appareils étaient installés dans les lieux devaient être analysés et validés par un ingénieur en sécurité ou en conseil en sécurité niveau 1.
et qu'à ce moment-là, on dispose d'un label qui détermine qu'on a les bons appareils, que ça a été étudié, et que parfois, il ne faut pas nécessairement d'équipement supplémentaire. Hier, j'étais dans un restaurant, 200 mètres cubes, une hotte en cuisine avec 3000 mètres cubes de leurre en flux simple. Je ne vois pas ce que je peux apporter dans un tel établissement, par exemple. Voilà le genre de réflexion, ou un autre restaurant qui renouvelle 12 fois l'heure, je pense que ça vaut la peine d'analyser et de prendre une dizaine ou une vingtaine de cas concrets, de se mettre autour de la table et de se dire, tiens, dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on peut prendre comme situation et d'avoir un protocole ou en tout cas un protocole d'analyse des lieux simplifié, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la difficulté qu'on rencontre, c'est de chaque cas est unique. Et si on ne sait pas se permettre, comme ça a été fait pour Brussels Expo, d'analyser les lieux avec une modélisation. Et donc, voilà, c'est une invitation. Et aussi aux fabricants, donc j'ai laissé en tout cas sur le chat les coordonnées. Donc, c'est un système qui est ouvert, qui n'est pas commercial, qui est voué à être dans une ASBL ouverte. Merci, monsieur. Voilà, merci beaucoup, monsieur Van Oudgaarden. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres intervenants au niveau oral? Non. Et donc, je pense que voilà, il y a d'autres questions ou réactions, mais il y a beaucoup d'interpellations sur le chat qui sont vraiment extrêmement positives. Donc, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui et de passer la parole, s'il parvient à résumer et à conclure sur cet intéressant débat, à Nathan Klumek, s'il est à même là, de nous faire part de ses propres conclusions au niveau scientifique. Nathan. Voilà. Ben, tout d'abord, merci à tout le monde, hein, aux intervenants, à ceux qui ont assisté à ce webinaire, qui visiblement répond à un besoin, vu le nombre de participants et vu le nombre de questions. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on est, je me répète peut-être, mais j'insiste là-dessus, on est au début d'un processus. Et donc, nous allons apprendre au fur et à mesure. Et peut-être qu'il faudrait... je lance l'idée comme ça, peut-être faire un site de partage des expériences des uns et des autres qui serait utile, qui éviterait de refaire peut-être les mêmes erreurs ou de chercher les mêmes solutions. Ce qui est clair, c'est que nous devons intégrer cette notion nouvelle qu'il faut vivre malgré le virus, que ce virus va circuler, il va circuler d'une manière qui n'est pas qui dépendra un petit peu du niveau de vaccination et du niveau de l'émergence de l'un ou l'autre variant. Donc, nous rentrons dans une ère où il faut trouver le juste équilibre. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas être anxieux, il ne faut pas, voilà, il ne faut pas s'énerver et il faut avoir la vie la plus normale possible. Et je crois que nous y arriverons. Je suis quelque part assez optimiste maintenant. Je crois qu'on y arrivera, mais que ça impliquera de chacun de faire un effort peut-être au niveau de la compréhension exacte de ce qui se passe, ne pas se laisser aller à des « yaka », il faut que, à se lancer dans des anathèmes voilà, de toutes sortes, essayer un petit peu de rester dans le rationnel. Je pense qu'il y a des réponses et des solutions à toutes les questions qu'on se pose. Et donc, ma conclusion sera celle-là. Peut-être trouver un moyen d'avoir un forum où tout ceci peut être échangé. Ce que je trouve bien, c'est que la ville de Bruxelles a pris, à un moment où personne ne le faisait, a pris ses responsabilités, s'est lancée dans cette approche, que je crois que maintenant une bonne chose serait que peut-être au niveau des autres communes de la région bruxelloise, cette approche soit développée, et que, voilà, parce que c'est évidemment une approche décentralisée. Il faut des normes, il faut des arrêtés royaux, mais les solutions vont être locales. Elles vont être certainement en partie, si pas sous la responsabilité, en tout cas avec l'aide, la pédagogie et le soutien des autorités locales. Et donc, je pense que cette interaction aussi entre autorités locales et leurs commerçants, leurs restaurateurs qu'ils connaissent très bien, un côté pédagogie, aide, qui sera très important à développer à l'avenir. Et donc, ce qu'on pourrait dire, c'est peut-être se redonner un rendez-vous dans quelques mois pour refaire un webinaire sur peut-être l'expérience des gens, peut-être aussi sur peut-être des nouvelles techniques, l'évolution d'épidémie. En tout cas, il y a un besoin de partage, d'échange qui est tout à fait positif
Je tenais à le souligner et à remercier tous les participants, et en particulier tout le groupe technique et Charles Gaines, avec qui nous travaillons, avec Christophe Cloquet, nous travaillons très, très en association pour essayer de faire avancer ce problème depuis des semaines maintenant. Voilà, merci à vous tous. Merci Nathan. Et voilà, avant d'en terminer, je voudrais me joindre aux remerciements à l'égard de tous les participants qui nous ont rejoints, à l'égard de toute l'équipe, notamment l'équipe de Valérie Gillon qui nous a organisé en un temps record ce webinaire, à l'égard des fonctionnaires de la ville qui nous assistent également, et juste également vous faire part d'une opinion qu'on a partagée entre nous pas plus tard qu'hier, c'est que compte tenu des réactions aujourd'hui de la population qui n'accepte plus que difficilement des processus top-down qui sont imposés, on pense réellement que la meilleure solution pour que le risque assumé soit partagé, c'est que les gens soient à même de prendre leur propre sort en main. Ça veut dire par conséquent qu'il faut privilégier un certain nombre de processus d'autogestion, que ce soit dans les administrations ou dans le secteur privé. Et qui dit autogestion dit partage des connaissances, on en a parlé, dit pédagogie, on en a parlé, dit risque assumé, on en a parlé. Et donc, je pense que c'est à l'issue de ces processus d'autogestion que l'on obtiendra certainement les meilleurs résultats plutôt que par des mesures autoritaires. Et je voudrais en terminer tout à fait et vous citer un de mes auteurs favoris, un de mes livres sur ma table de chevet, un vieux livre déjà, mais qui fait toujours autorité. C'était celui de Jacques Monod dans son ouvrage « Le hasard et la nécessité », quand il dit à un moment « La modestie sied aux chercheurs, mais pas aux idées qu'il se doit de défendre ». Et donc l'ambition de la ville de Bruxelles n'est certainement pas de faire cocorico en disant « Nous sommes les meilleurs, nous sommes à l'avant-garde, nous nous effaçons volontiers devant toute autre théorie qui pourrait supplanter les nôtres ». Mais en attendant, nous souhaitons défendre avec force et vigueur les points de vue qui ont été émis parce que nous pensons que nous sommes dans le bon. Et je dis ceci en toute modestie. Voilà, bon appétit un peu différé déjà pour les uns et les autres. Merci de nous avoir rejoints. Et je pense qu'on peut sauter sur la proposition de Nathan de nous revoir dans quelques mois avec un nouveau webinaire. Voilà, merci à tous et à bientôt et bon courage. Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on n'est plus qu'entre nous.